Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information dans le cadre de la programmation associée de l'exposition Riyad Satouf, l'écriture dessinée, que vous pouvez voir à la bibliothèque encore jusqu'au 11 mars. Je vous invite vivement à venir voir cette exposition passionnante. Alors, Riyad Satouf, c'est simplement un point de départ pour cette rencontre. Et pour organiser cette soirée, on est parti d'une thématique qui traverse à peu près tous les albums de Riyad Satouf, de Pascal Brutal au Manuel du Puceau, bien sûr en allant jusqu'à l'Arabe du Futur, et puis thématique qui traverse bien sûr aussi ces deux films, Les Beaux Gosses et Jackie au Royaume des Filles. Cette thématique, bien sûr, c'est la question de la construction de l'identité masculine et comment répondre aussi aux injonctions viriles. Et bien sûr, ça nous semblait important d'en parler ce soir, quasiment un an après le déclenchement du scandale de l'affaire Harvey Weinstein et bien sûr toutes les répercussions suite au hashtag MeToo. Alors je suis du coup pour cette rencontre très très heureux d'accueillir Fia Ménard, Raphaël Liogier et Olivia Gazalé. Mais je laisserai Julie Clarini les présenter bien sûr en détail. En revanche, bien sûr, je présente Julie Clarini que je pense vous connaissez tous. Donc Julie Clarini est journaliste, elle est aussi rédactrice en chef du supplément ID du Monde que vous pourrez retrouver tous les samedis. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette rencontre. Donc, nous sommes là ce soir, vous l'avez entendu, pour nous interroger sur la virilité, sur sa réalité, son mythe, ses codes. Et en marge, on le fait en marge de l'exposition Riyad Satouf. Riyad Satouf, pour qui, pour ceux qui connaissent bien son œuvre, la virilité est une vraie question qu'il traite dans ses albums et dans ses films, y compris, avec évidemment le talent qui est le sien, son goût pour la satire, son humour grinçant. Et toujours cette espèce d'interrogation, parce que quand je dis c'est une question centrale, c'est plutôt pour lui une interrogation. Il n'y a jamais vraiment de certitude sur ce que c'est que la virilité. Et j'en veux pour preuve l'un de ses personnages, qui est le personnage avec lequel il a fait plusieurs albums, qui s'appelle Pascal Brutal. Pascal Brutal, c'est à la fois celui qui est très sûr de lui, qui est celui qui n'a rien à prouver, extrêmement musclé, il est fort, il est plus fort que tous les autres, c'est un très bon amant. Il laisse toujours ses maîtresses épuisées et au nirvana. Bon, il est un peu bête aussi, mais enfin ça. Et puis, donc il y a tout ça chez Pascal Brutal, cette espèce de sentiment de supériorité, cette certitude. Et puis de l'autre, il y a ses désirs homosexuels dont il ne sait pas trop quoi faire, sinon les assouvir de temps en temps, mais sur lesquels il n'arrive pas à mettre de mots, sur lesquels on voit bien qu'il y a comme un impensé. Et je trouve que c'est intéressant, ce personnage qui est à la fois un bloc de certitude et un déséquilibre, enfin qui contient aussi une faille, parce que c'est comme si cette question de la virilité, cette injonction « sois un homme, mon fils », ben, elle n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple de répondre à cette injonction « sois un homme, mon fils ». Et c'est bien cette difficulté dont on va parler, je pense, ce soir avec nos invités, parce que cette difficulté, finalement, elle nous permet de revenir sur ce qui se passe dans la transmission des identités sexuées, ce qui se passe entre le père et le fils, quand on dit « tu seras un homme, mon fils ». Ce qui se passe aussi, d'ailleurs, entre un homme et une femme. On en parlait à l'instant avec Olivia Gazalé, quand une femme dit à un homme « je ne suis pas sûre que tu fasses un métier très viril, est-ce que vraiment tu assures ?» Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette question-là. Donc là, j'aimerais ce soir, en fait, qu'ensemble, on essaye de comprendre ce que permet de perpétuer ce rapport, ce rapport entre les hommes et les femmes autour de la virilité, ce qui permet évidemment de perpétuer en termes de hiérarchie, et puis aussi essayer de voir ce que ça veut dire, tout simplement être viril, hein, essayer de rentrer dans la petite fabrique du mal, ce serait intéressant. Et je pense qu'évidemment, on effleurera la question de MeToo, comme Sébastien Godelus nous le proposait tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que les choses sont en train de changer, est-ce qu'il y a des déséquilibres qui peuvent peut-être faire des effets leviers et changer peut-être, rebattre les cartes, changer tout simplement ce qu'on appelle la virilité. Alors à mes côtés, tout à l'heure vous avez Sébastien donné les noms de nos invités, à mes côtés Fia Ménard qui est jongleuse, qui est performeuse, qui est artiste plasticienne également, qui a fondé une compagnie il y a maintenant, ça fait 20 ans, 98, la compagnie Non Nova et qui donne régulièrement des spectacles. Le dernier s'intitule Saison Sèche, d'abord il a été monté à Avignon l'été dernier, il est passé à l'AMC 93 récemment. Il part en tournée ce spectacle, mais on pourra le revoir dans la région parisienne l'année prochaine.
Je dirais que le travail de Fia Ménard, mais elle nous en parlera mieux que moi, est construit beaucoup autour de la question de la virilité, en tout cas de la question du corps et de la transformation des corps. Qu'est-ce que c'est que ces corps auxquels on a assigné des identités. Et puis à côté de Fia Ménard, il y a Raphaël Yeogé, qui est professeur de philosophie à l'Institut de Sciences Po Politiques d'Aix-en-Provence, qui est l'auteur. Raphaël Yeogé, vous le connaissez sans doute de nombreux ouvrages, mais son dernier nous intéresse particulièrement puisqu'il s'intitule « Descente au cœur du mal », avec un accent circonflexe évidemment, et il est paru au Lien qui libère. Et Olivia Gazalet, enfin, qui est professeure de philosophie, qui est cofondatrice des Mardis de la philosophie, et qui de la philo. Ah oui, ça s'appelle philo, d'accord. Et qui a publié, je crois que c'était juste avant MeToo, le mythe de la virilité. C'est paru la semaine de MeToo. Voilà, c'est ça. Donc vous l'aviez écrit avant. Ça, ah, c'est oui. Bravo. Qui est paru chez Robert Laffont, donc le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Alors, ma première question, ce sera pour le spécimen d'homme qui se trouve sur ce plateau, qui Raphaël Yeogé. Je me demandais finalement, j'ai entendu Riyad Sattouf dire dans un entretien, en fait, la virilité pour moi, c'est une obsession. Et je me suis dit, est-ce qu'il dit quelque chose que tous les hommes vivent, c'est-à-dire un embarras avec ce truc-là, ou est-ce que ça lui est propre? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit c'est une obsession, c'est compliqué? Alors, ce que ça veut dire pour lui, individuellement, intimement, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas sa vie intime, son histoire, sa biographie. Comment vous l'entendez-vous? Mais je crois que cette incertitude, c'est une incertitude qui est devenue structurelle dans notre société et qui est le produit direct de ce qu'on appelle la modernité. C'est un peu, en quelque sorte, le dernier moment de la modernité. La modernité, c'est quoi? Une des définitions multiples de la modernité, mais une des définitions de la modernité relativement à ces questions d'identité, c'est la valorisation de la multiplicité des identités et dans un même espace social protégé par un droit qui est théoriquement neutre. Donc, il vous laisse être ce que vous voulez être. Donc, c'est la valorisation du choix. Donc, la virilité, ça a été pendant des siècles, voire des millénaires, une exigence, mais une exigence qui était certaine, c'est-à-dire qui était transmise de façon certaine. Aujourd'hui, c'est toujours une exigence pour certains, mais c'est une exigence qui est maintenant incertaine. Et donc, comme cette exigence est devenue incertaine, elle questionne. C'est-à-dire que le fait d'avoir le choix, en quelque sorte, c'est presque... ça met les hommes dans une situation comme s'ils avaient à choisir ce qui était considéré pendant des millénaires comme une évidence. Et ça pose un vrai problème, je crois. Aujourd'hui. Quand vous dites donc ils ont à choisir, c'est-à-dire que maintenant ils ont un espace critique. Ils peuvent éventuellement penser que ce modèle ne leur convient pas. Bah, ils sont plus qu'un espace critique. C'est que en réalité, on pourrait dire dans un sens qu'il y a un paradoxe dans la modernité. Puisque la modernité, c'est une grande promesse. C'est la promesse d'une liberté pour tout le monde qui est fondée sur une égalité, c'est-à-dire subjective, où on reconnaît subjectivement tout le monde, au nom de sa subjectivité, c'est-à-dire de ses choix. Cette promesse, elle n'est pas tenue. C'est-à-dire que la modernité, dans un sens... Elle donne les armes, elle produit, elle est le premier mouvement de ce qui va renverser le monde, ce qui est en train de renverser la dominance virile. Et en même temps, elle est virile, la modernité. En même temps, elle se raccroche à ça, elle fait fonctionner la raison comme étant, en quelque sorte, certains disent, on pourrait dire, une sorte de produit dérivé du dieu monolithique, ça devient aussi une raison monolithique, le logos, etc. Tout ça. Et en même temps, elle donne les armes pour renverser ça. Et donc ça, c'est une situation qui est... Enfin, qui est assez inconfortable. C'est une situation critique dans tous les sens du terme. Dans le sens du mot critique, c'est-à-dire crinine, c'est à la fois la crise, moment du renversement, et une situation critique parce qu'on se critique et tout le monde se critique. Les jeux sont ouverts, en quelque sorte. Alors, Olivia Gazalet, vous seriez d'accord pour dire, en fait, la virilité, c'est ce qui était une évidence et c'est ce qui est en train de devenir un problème, si j'ai bien entendu. On pourrait dire ça, mais en fait, si on regarde un peu plus attentivement l'histoire et l'origine de la construction des genres, on se rend compte que la virilité, en fait, a toujours été critique.
elle a toujours été critique, elle a toujours été en crise depuis même son invention. Et je pense que ça tient au fait que, si vous voulez, pour comprendre, il faut bien distinguer la masculinité, ou plutôt les masculinités, qui sont toutes les façons qu'il y a d'habiter le sexe masculin, comme il y a des féminités, et puis la virilité, qui est une norme, un idéal très, très, très contraint, très descriptif, et qui est largement artificiel. Parce que ce n'est pas seulement la force physique, parce que ça, bon, on reconnaîtra qu'en moyenne, les hommes sont plus forts. C'est vraiment une question de moyenne. Mais c'est bien au-delà de ça. La virilité, en fait, c'est un ensemble d'injonctions qui sont aussi des injonctions morales. C'est-à-dire qu'il faut... c'est coercitif, c'est discriminatoire, c'est paradoxal. C'est coercitif parce qu'un homme doit absolument afficher un certain nombre de marqueurs, de puissance, de force, d'être conquérant, d'être victorieux, d'être puissant, et de manifester cette puissance avec cette idée aussi que la puissance sexuelle est la manifestation du pouvoir tout court. Donc l'un est l'indice de l'autre. Donc il y a ça. Mais il y a un aspect très discriminatoire, puisque tous les hommes qui ne sont pas porteurs des canons virils ont toujours été dans l'histoire non seulement insultés, mais ostracisés, violentés, incarcérés, brûlés, tués. Donc évidemment les homosexuels, mais c'est aussi, si on veut ériger un surhomme, il faut malheureusement désigner un sous-homme. Donc ça va être le grec qui trouve que le barbare est un sous-homme, et puis c'est le colon européen qui trouve que le sauvage est un sous-homme, et puis c'est le noir, c'est le juif, c'est l'arabe. Bref, pour qu'il y ait des surhommes, il faut qu'il y ait des sous-hommes. Et puis c'est une norme enfin qui est très paradoxale, parce que moi, ce qui m'a frappée en me plongeant dans l'histoire de la virilité magnifique et très complète des trois grands historiens, Corbin, Courtine et Vigarello, qui était vraiment ma bible pour travailler. Donc qui est paru au Seuil en trois tomes, oui, il y a 5-6 ans. En poche. Mmh. Et ce qui m'a frappée, c'est que c'était aussi des normes qui étaient très paradoxales. Par exemple, c'est très difficile d'articuler l'injonction à la maîtrise, qui est vraiment... et l'injonction à la puissance. La maîtrise, c'est vraiment ce qui fait l'homme par rapport à la femme, originellement, dans ce mythe, c'est que la femme ne se contrôle pas, elle ne contrôle rien, elle ne contrôle même pas ses flux menstruels, elle ne contrôle pas ses émotions, elle ne contrôle pas ses larmes, elle ne contrôle pas ses états émotionnels. L'homme, lui, se domine, se gouverne, et c'est pour ça qu'il est apte à gouverner. Et donc, ça, la maîtrise, ça fait l'homme, c'est la virilité, et en même temps, la puissance et l'ostentation, et c'est très difficile d'articuler les deux. Je vous donne juste un exemple pour le faire comprendre, c'est que pendant tout le Moyen-Âge, et largement, c'est une question qui a traversé toute l'histoire de l'Occident, c'est qu'on se demandait vraiment qui était le plus viril, du moine ou du guerrier. C'est-à-dire celui qui était capable de sublimer ses désirs, donc de les maîtriser et de montrer par là qu'il était plus fort que son propre sexe, et celui, au contraire, qui démontrait toute l'étendue de sa puissance phallique par ses conquêtes sexuelles. Et il y a une articulation qui est problématique. Donc pour revenir à votre question, même si je prends toujours un détour un peu long pour y répondre, je pense que du fait que c'est une norme qui est largement artificielle, qui correspond à rien de naturel, c'est pas par nature qu'un homme ne pleure pas. La nature, c'est qu'on a une disposition à pleurer et des larmes qui servent à quelque chose. Se contraindre, c'est contre nature. Donc en réalité, la virilité ayant toujours été un artifice et un idéal très difficile à atteindre, sauf qu'aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit parce que d'abord, ça peut s'exprimer, et puis parce que, bon, je m'arrête là, mais peut-être je reviendrai dessus tout à l'heure, il y a objectivement des éléments qui ont fait de ce modèle un idéal plus que jamais inaccessible. C'est-à-dire qu'à l'époque où il y avait la guerre, on pouvait se réaliser dans la guerre, puisque vir, originellement, c'est le héros. C'est celui qui vainc, c'est celui qui est vainqueur. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre, en tout cas au sens où on l'entendait autrefois. La guerre s'est déplacée dans le champ économique. Il y avait aussi des façons de se valoriser par le travail. Et aujourd'hui, avec la précarité, le chômage de masse, l'aliénation dans le travail, l'homme a perdu aussi ses repères-là. La famille a été bouleversée. Bien, bref, il y a plein de repères sociétaux qui ont été ébranlés. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que la virilité a toujours été en crise. Même si on remonte Aristophane au 5e siècle avant Jésus-Christ, il avait déjà dit, regardez, la génération d'avant a été plus virile. Donc, voilà. Donc c'est un mythe, en fait. Enfin, on voit bien que là, il y a quelque chose C'est toute l'idée, c'est de montrer que c'est une construction largement mythique ou mythologique, mais très bien ficelée, parce que
disciplines intellectuelles se sont conjuguées pour fabriquer les deux archétypes de l'éternel féminin et de l'éternel viril. Et tout s'est conjugué pour asseoir et théoriser. Ils sont même conjurés dans un sens. Conjurés, ouais, ligués, exactement. Pour nous faire croire que finalement cette virilité est naturelle et que la féminité aussi l'est. Alors que les deux, je ne dis pas que les différences entre les sexes n'existent pas, c'est un autre débat ça. Mais en tout cas, ce que fabrique le mythe de la virilité, c'est pas tant la différence, c'est la hiérarchie. Alors, je vais donner la parole à Fia Ménard, parce que Fia Ménard travaille sur les corps, elle est danseuse, elle est jongleuse, et ça m'intéresse de vous entendre réagir à ce que vient de dire Olivia Gazalet sur l'idée de la nature et de l'autre, de la contrainte, du carcan, de la coercition. En fait, ce corps d'homme qui se présente comme le corps naturel, alors que le corps féminin est le corps artificiel, travaillé, maquillé, etc., et peut-être pas si naturel que ça aussi. Ce qui est toujours... là, en fait, on a l'analyse, nous, de ce qu'est le mot virilité. Moi, j'en parle d'un endroit qui est finalement d'avoir fui la virilité. Le fait de ce parcours trans, comme toute personne trans, en tout cas dans un parcours d'interrogation de sa propre identité, donc de son assignation dans la société... Je crois que suivant les époques, les questions se posent de manière très très différente. Ce qui est sûr, c'est que dans le sens de la nature, il y a que la nature nous donne un corps, que ce corps est finalement, d'une certaine manière, assez équivalent dans l'un et dans l'autre. Ce qui est par contre évident, c'est que tout n'est que construction. Ce qui repose vraiment la question pour moi et ce qui a été mes premières lectures, c'était notamment Les enfants sauvages de Lucien Malzon, comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a une sorte d'orientation et qui se définit et quels sont les codes qu'on va devoir utiliser. Alors c'est vrai que moi j'ai eu à les questionner dans ma chair, puisque au moment où on me demandait d'affirmer justement ma virilité, c'est-à-dire celle de prendre le pli d'être un homme dans le monde de la domination, je n'en voyais pas l'utilité. Je n'arrivais pas à en comprendre. Je n'arrivais d'ailleurs pas, un peu comme on vous dirait, ceci goûte, c'est bon, et vous dites, mais non, je ne trouve pas la saveur. Je ne vois aucune saveur dedans. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, la question propre du naturel se pose. C'est que vous vous retrouvez dans la situation, dans cette partie nature, de dire, alors je suis la partie du monstre de la nature. Et donc je suis, comme vous disiez, à ce moment-là, il a bien fallu créer une opposition pour créer une masculinité, il a fallu créer des sous-masculins. Il a fallu, et quelque part, se défaire de ça. C'est un chemin qui est un chemin où on vous renvoie finalement vers cette question de la raison. Donc là, on vous met aussi entre la situation de l'analyse, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous êtes dans cette étape qui est de la monstruosité, qui peut être considérée celle de la folie, puisqu'on était encore il y a très très longtemps, et pas si longtemps que ça... traité de toute façon du domaine de la folie, et que finalement, aujourd'hui, je peux le dire, non, tout ça n'est qu'un apprentissage de gestes par mimétisme, par finalement mélange au sein des communautés, d'une partie aussi qui est très importante et qui fait partie de cette construction de la virilité, qui est de sans arrêt... créer le défi, puisque c'est un défi, il faut réussir à ressembler à une norme, mais au même titre que la beauté, comme l'injonction de la beauté, est un défi d'une norme. Et donc, sans arrêt, s'apercevoir que nous ne passons notre temps qu'à courir après une fonction qui serait celle du meilleur être qui devrait être défini par une binarité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut se poser la question, et je pense qu'en regardant cette salle, je commence à me poser des questions sur la binarité, en me disant, mais est-ce qu'il y a vraiment une binarité ? Et qu'on est peut-être en train de comprendre que justement la virilité dont nous parlons, celle qui est en train de s'émietter, de s'effriter, comme un arbre qui n'aurait plus de sève, est en train de s'apercevoir que eh bien, les nouvelles pousses ont déjà saisi toute la nature du sol, et que saisi que la possibilité de trouver un espace, c'est aussi de se mettre... soi-même à raisonner sur qu'est-ce qui est bon de l'un, qu'est-ce qui est bon de l'autre, et pourquoi pas associer tout ça.
et d'en retirer la forme de représentation. Parce que je crois que la question pour moi, quand on me parle de virilité, et elle se fait dans les deux sens, c'est la question de la représentation. Qu'est-ce que c'est que cette possibilité et cette injonction que nous avons à être toujours dans la représentation ? Chose que nous évacuons et qui est quand même dans l'acte amoureux, c'est ce qu'on refuse à l'autre, c'est quand il est en représentation ou quand elle est en représentation et qu'on a le désir le plus simple de la vérité des corps, la vérité de l'acte, la vérité. Et donc, comment on se défait de cette injonction à ce moment-là qui est une, voilà, celle de nos assignations. Raphaël Nogier. Moi, je ne suis pas si sûr qu'on puisse sortir de la représentation, y compris dans l'acte sexuel. Je crois même que l'acte sexuel est en quelque sorte le nœud de la production des représentations. Et d'ailleurs, le nœud où se construisent les fantasmes qui vont ensuite se diffuser par cercle concentrique dans l'ensemble de la société, et que la domination, elle commence par exister aussi à l'intérieur même de l'acte sexuel. Je dis dans de nos inconscients, alors. Comment ? De nos inconscients. Bah, je ne sais pas trop non plus ce que ça veut dire inconscient. Pour moi, c'est comme nature, culture, inconscient, conscient. Enfin, tout se passe par capillarité. Je veux dire, quand on est ivre, on est conscient qu'on est en train d'être ivre et qu'on est en train de perdre progressivement une conscience, alors que ça peut être une stratégie d'être ivre justement pour se désinhiber. Vous voyez ? Donc, est-ce qu'on est conscient ? Est-ce qu'on n'est pas conscient ? Bon. En tout cas pour moi, ce que je veux dire, c'est que dans l'acte sexuel, il n'y a pas plus représentatif que ça. Puisque l'acte sexuel, ce qui produit même l'excitation sexuelle, et donc qui est à la source du désir de jouir et de jouir de l'autre d'une certaine manière, c'est la représentation, la vision. Ceux qui se représentent même la pornographie comme étant ce qui est animal, la sexualité animale, je ne leur dis pas du tout. Ça peut être absolument horrifique, mais il n'y a rien d'animal dans la pornographie, puisque la pornographie, c'est très exactement entièrement fondé sur la représentation de la domination des femmes, la représentation de la pénétration sous toutes ses facettes, le plus profond possible, dans la bouche, si possible, partout, dans le nez, si c'était possible, dans l'anus, etc. Et dans cette idée que le fait de le faire, ce n'est pas seulement faire ça, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas pour... C'est autre chose. Et donc, je crois, une chose que je voudrais ajouter par rapport aussi à ce que disait Olivia, je suis peut-être assez mal exprimé lorsque je disais qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de cette certitude. Mais cette certitude, c'est une construction, évidemment. C'est-à-dire que la construction culturelle est fondée sur cette certitude. Parce qu'à l'origine, ce qu'on trouve, c'est une incertitude. Et c'est pour combler une incertitude fondamentale. Parce que ce qui est paradoxal quand même dans la virilité, quand on parle de virilité, c'est que la virilité, théoriquement, c'est cette espèce de démonstration de force qui peut passer par une multitude de voies que l'homme est supérieur, pour le dire en termes symboliques, qui vont ensuite se décliner de toutes les manières. Il est actif, alors que la femme est passive. Le soleil, la lune, après toute la symbolique civilisationnelle, etc., toute seule, la guerre, elle reste à la maison, la cuisine, l'oïkos, le politikon, etc., actif, passif, etc. Ce qui est fascinant, et c'est là où on commence, petit à petit, on approche de la clé, c'est que ce caractère actif, donc autonome, donc qui n'aurait pas besoin de l'autre, ce que piquent sans cesse les hommes, alors que la femme aurait besoin, en fait, ils la construisent, les hommes, sur le dos des femmes. C'est-à-dire que c'est dans la compétition par rapport aux femmes, c'est dans leur visibilité par rapport aux femmes, c'est-à-dire dans leur capacité, entre guillemets, à posséder des femmes, en utilisant le mot posséder, qui va de la pénétration sexuelle, quand on parle d'un rapport sexuel, jusqu'à la possession au sens civil du terme, à travers le mariage, mais en même temps au sens de « c'est ma propriété ». Oui, on donne le nom. Hein. Faut pas... Exactement. Et en sens inverse, refusant aux femmes... Le fait de se posséder elle-même, parce qu'évidemment, sinon, elle ne pourrait plus être considérée comme passive, etc., etc. Et si elle ne se possède pas elle-même, il ne faut pas qu'elle puisse jouir. Donc, le rapport à la jouissance au sens physique, dont on en revient à la question, qu'elle puisse jouir. C'est pour ça que dans certaines sociétés, on va jusqu'à les exciser pour être sûr qu'elles ne jouissent pas à la base de la base, c'est-à-dire de leur corps déjà au sens organique. Mais qu'elles ne jouissent pas non plus à un autre niveau, c'est ce que j'appelle, c'est-à-dire même dans les sociétés où on ne pratique pas l'excision au sens physique, on pratique l'excision mentale et morale, c'est ce qu'on appelle l'éternel féminin. Je vous rappelle que l'éternel féminin, c'est la construction de la beauté féminine, du charme féminin, par
une culture du retrait, c'est-à-dire une femme qui ne parle pas, elle a du charme, une femme qui, etc., jusque le corset... Qui ne pense pas aussi. Exactement. Qui ne pense pas. Qui ne pense pas, elle a beaucoup plus de charme. Lorsqu'elle parle, elle bavarde, etc. Et ça, c'est quand même universel. C'est-à-dire, vous allez au Japon, vous allez avoir le kimono masculin classique, c'est celui qui est extrêmement large pour pouvoir montrer qu'il y a une marge de manœuvre, une sorte d'autonomie du mouvement de l'homme viril, du samouraï qui écarte ses jambes au maximum pour montrer qu'il existe, qu'il est autonome, qu'il est stable, cette idée de stabilité à la fois et de dynamique, les deux. Alors que la jeune femme, elle, elle a un kimono, mais exactement en sens inverse, complètement serré, c'est-à-dire que si elle essaye de marcher un peu trop vite, elle tombe presque comme si elle n'était pas capable. Donc tout est fait pour en quelque sorte organiser une sorte d'impotence, d'une passivité qui va finir par devenir le charme féminin et qui va finir par devenir même ce qui fait jouir. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on ne donne pas de droits, enfin que les femmes n'ont pas les mêmes droits économiques au sens de équivalence en termes de salaire économique, ce qui est vrai, et qu'il n'y a pas une reconnaissance réelle, même si c'est une reconnaissance formelle du droit, cette fois au sens le plus abstrait que l'on puisse imaginer, les droits de l'homme, etc., ce qui était le cas au début, maintenant ce n'est plus le cas au sens formel du terme, c'est parce qu'à la base, on ne peut pas reconnaître des droits civils, c'est-à-dire même le droit de propriété et le droit, c'est-à-dire de jouir d'une propriété à l'extérieur de soi, de jouir de droits civils, on parle de jouissance des droits, si on refuse à la base le droit à ces femmes, aux femmes en tant que telles, jouir de leur corps, qui est la base de la base de la base. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'inversion. Et c'est pour ça que les choses aujourd'hui deviennent incertaines. C'est-à-dire c'est comme si aujourd'hui, en raison même de la modernité, de cette incertitude de la modernité qui fait sauter ce genre de verrou, les hommes se trouvent en quelque sorte devant l'incertitude originelle qui avait justifié et motivé l'ensemble des constructions culturelles destinées à leur faire à gommer tout ça. Et là, ça apparaît. C'est-à-dire qu'en gros, et juste ça, ils se retrouvent à nouveau, mais mis à nu, face à leur sentiment d'impuissance, puisque c'était leur sentiment d'impuissance qui avait justifié cette espèce d'extrapolation sur leur puissance sur le dos des femmes. Alors, j'entends bien ce que vous dites, et j'ai une question finalement assez simple. C'est, on vous entend tous les trois, et même s'il y a peut-être une question sur les représentations qu'on pourra reposer plus tard, vous êtes tous d'accord pour dire que la virilité, c'est une construction. Mais pourquoi est-ce qu'alors, Olivia Gazalet, c'est une femme qui, en 49, dit « on ne naît pas femme, on le devient », et c'est pas Sartre, donc Simone de Beauvoir, et que c'est pas Sartre qui pense à ça. Qu'est-ce qui fait que pendant si longtemps, ce sont les femmes qui se sont questionnées sur la féminité et pas les hommes sur le masculin? D'une manière générale, c'est toujours le dominé va avoir tendance à réfléchir à sa, à remettre en question la domination, alors que le dominant, il y a moins intérêt. C'est valable dans beaucoup de domaines. voilà, c'est d'actualité d'ailleurs. Je crois qu'on n'a pas tellement intérêt à se remettre en question quand on est nanti, en réalité. Donc, ce sont les dominés qui... Voilà. Et alors, d'ailleurs, c'est intéressant de dire que dans un texte qui est beaucoup moins connu de Simone de Beauvoir que Le deuxième sexe, un texte assez tardif, je vais peut-être dire une erreur, mais je crois que c'est de 73, ou quelqu'un dans la salle me corrigera, qui s'appelle « Tout compte fait », dans lequel elle dit, en fait, cette phrase « on ne naît pas femme, on le devient » mériterait d'être redoublée par son pendant masculin, on ne naît pas homme, on le devient. Donc elle avait déjà anticipé elle-même cette phrase, et effectivement, celui qui l'a aussi très bien exprimé, en synthétisant, c'est Bourdieu quand il a dit « la virilité est à la fois un privilège et un piège ». C'est-à-dire que le dominant est victime de sa propre domination, comme la... Marx aussi, c'est un thème qu'on trouve chez lui, le dominant dominé par sa domination. Alors maintenant, vous me demandiez comment ça se fait que ce soit... Non, mais c'était pour revenir sur la question de l'impensé masculin. Les études de genre, par exemple, qui sont très fortes aux États-Unis, qui sont arrivées en France maintenant il y a une vingtaine d'années, se sont très longtemps interrogées sur la question des femmes,
puis éventuellement sur la question des homosexuels. Et puis là, depuis quelques années, en tout cas en France, mais c'est récent, on voit des men studies, c'est-à-dire des études sur les hommes apparaître, mais comme s'il fallait toujours vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à l'idée que peut-être aussi les hommes, on pourrait considérer que leur fameuse virilité est une construction. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, la virilité se fait passer pour naturelle au prix d'une construction intellectuelle faramineuse, extrêmement théorisée, pour faire croire que ça va de soi. Et en réalité, effectivement, là, on parle beaucoup de l'artificialité de la féminité, mais la féminité aussi est pensée comme naturelle à la base. C'est-à-dire que ce qui se passe, moi, je rappellerai simplement que cette construction, la seule preuve, la meilleure preuve que les stéréotypes sexués sont construits l'un et l'autre et qu'ils ont été construits de manière concomitante, complémentaire et dialectique, en réalité, c'est de se rappeler qu'ils n'ont pas toujours existé, ces stéréotypes sexués. C'est-à-dire que la domination historique, millénaire, de l'homme contre la femme est en réalité elle-même une construction, puisque si on lit Françoise Héritier et d'autres anthropologues ou des historiens, on sait qu'il y a eu des sociétés dans lesquelles, sans aller jusqu'à l'hypothèse du matriarcat primitif qui, elle, a été balayée depuis assez longtemps, il y a eu des sociétés où la femme avait beaucoup plus de droits, de prérogatives, de libertés. Il y a des sociétés matrilinéaires, je pense aux Celtes. La femme égyptienne pouvait étudier. Il y a des sociétés, par exemple, chez l'Étrusque a beaucoup plus de liberté que sa petite fille, la Romaine. Donc, des sociétés dans lesquelles matrilinéaires, ça veut dire que le nom se transmet par la mère, les biens aussi. Et en réalité, tout à l'heure, on parlait de cette puissance masculine et puissance. Il faut se souvenir que cette quête de la puissance procède évidemment d'une peur abyssale de l'impuissance. Et on le voit, et que cet appétit de victoire, cette passion de la victoire, doit se lire d'abord comme une hantise de la défaite, qu'elle soit guerrière, économique, sexuelle. Et ça, c'est vraiment la hantise du masculin, c'est l'impuissance et la défaite. Donc, on a fabriqué deux archétypes à un certain moment dans l'histoire. Ce serait peut-être trop long de dire pourquoi, comment, mais enfin, en gros, il y a eu la naissance de la guerre, il y a eu la naissance des monothéismes, il y a eu la sédentarisation des populations, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait qu'à un moment, les hommes ont compris le mécanisme de la procréation qu'ils n'avaient pas compris autrefois. Donc, ils n'avaient pas compris le rôle inséminateur du sperme. Donc, la femme était surpuissante. La puissance originelle, c'est le féminin. Et ça, on le voit dans la préhistoire, où on a cette déesse mère qui est adorée à peu près partout, et la femme qui a beaucoup plus de liberté. Donc la puissance originelle, c'est la puissance d'enfanter, et c'est la femme qui la détient. Et tout à coup, quand l'homme comprend son rôle dans la procréation, il faut administrer, orchestré, c'est ce que montre très bien Françoise Héritier, il faut donc s'emparer des ventres des femmes, les contrôler et se les approprier. Et tout découle de là. C'est-à-dire que là, évidemment, se met en branle toute cette théorisation, donc à partir de la mythologie, avec la femme dangereuse, funeste, Hélène de Troie, les sirènes, et puis Lilith, coupable, fautive, la théologie, puis on va voir la biologie, la médecine, l'anatomie. Tout conspire à la hiérarchisation des sexes et évidemment le droit, puisque l'incapacité juridique de la femme, elle est d'abord inscrite dans les textes de loi. Donc il a fallu vraiment un effort intellectuel massif pour fabriquer cette hiérarchisation des sexes, pour la théoriser et pour l'entériner. Et donc c'est en ce sens que cette puissance, elle est fragile, puisqu'elle est, elle est construite. Et la préhistoire nous montre à quel point elle est construite. Pia Ménard, vous parlez beaucoup de patriarcat pour décrire la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, à l'instant, on évoquait le matriarcat. Le patriarcat, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Parce que finalement, on pourrait dire, comme on le rappelait, la modernité a apporté tardivement, mais aujourd'hui, une égalité des droits, par exemple. On se retrouve dans des sociétés où il est relativement possible de mener une vie qui va être juridiquement, du moins, à peu près égale à celle d'un homme. C'est quoi le patriarcat? Alors, ça veut dire quoi, dire qu'aujourd'hui, on est dans une société patriarcale? Bon, déjà, c'est de la constater. Je veux dire, déjà, de pouvoir la nommer, c'est déjà constater qu'elle a sa présence, elle a son facteur de puissance. C'est pour ça que je dis très souvent que le patriarcat, c'est une association de malfaiteurs.
mais de malfaiteurs qui n'ont pas forcément conscience. Ce qui est un peu paradoxal, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet qui se pose pour nous, c'est qu'en effet, il y a encore quelques temps, moi je me souviens dans les mouvements LGBTQI, on parlait de l'hétéropatriarcat. Et je pense qu'on est déjà passé au stade de se défaire de l'hétéro, ce qui pourrait revenir sur la question que nous aurions sur la question de la pénétration, et donc à quel point de vue on regarde finalement la sexualité, et donc à quel endroit on regarde aussi l'assignation à cet endroit-là. Mais aussi une question qui serait quelle forme de consentement dans ces actes-là. D'évidence, aujourd'hui, on peut rayer le mot hétéro, parce que finalement, on comprend bien que ce n'est pas un choix, et que quelque part, puisque ce n'est pas un choix d'être hétéro ou un choix d'être homo, nous sommes donc tous soumises et soumis à une question simple, c'est l'amour. Ce qui repose d'autres questions, c'est jusqu'à quel point on est capable de cette limite entre l'amour d'un même sexe et l'amour d'un sexe opposé. Donc aujourd'hui, le patriarcat, voilà, on l'a devant nous, on l'a dans une situation qui serait une expérience assez simple, qui peut aller de l'architecture jusqu'à nos mouvements les plus simples. C'est ce qui me pousse, moi, à regarder comment nous fonctionnons dans la société, comment la fonction de la surveillance est une fonction très importante et comment elle se met aussi à cet endroit-là. Nous sommes dans une société pornographique, comme vous le disiez. Je pense qu'on le constate vraiment aujourd'hui tous et toutes. Et d'autant plus, on peut se dire même que le problème, c'est que cette pornographie, elle n'est pas dans l'espace du privé, mais elle est dans l'espace de la cité, puisque la caméra est là, elle fait acte de nous surveiller. Mais c'est aussi un acte qui est celui du regard, comment on juge, comment on regarde l'autre, comment on se positionne. Et pour moi, qui ai eu finalement ce facteur de passage d'une peau d'homme pendant une trentaine d'années avant d'avoir celle d'une femme, je me suis rendu compte que pendant toute cette période dite masculine, la liberté totale de l'espace, je l'ai connue, donc le patriarcat, je n'en avais aucune conscience. Je n'en avais qu'un loisir qui était celui d'être fondamentalement pro-féministe, parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, notamment au niveau des droits. Mais à un moment, le même parcours que je pouvais faire en tant qu'artiste entre un théâtre et rentrer tard à mon hôtel dans une ville où l'invisibilité était quelque chose d'à peu près assumé, complètement inconscient pour moi, je rentrais à cet hôtel, il ne m'arrivait jamais rien. Le même chemin aujourd'hui en tant que femme me rappelle que sur ce chemin-là, j'ai un parcours qui a été semé de certaines rencontres. Et ces rencontres ont toujours été celles du chasseur. Pas forcément des bons chasseurs, c'est ça le truc. C'est qu'il faudrait remettre un peu cette question-là. C'est aujourd'hui, le patriarcat, peut-être, reposons cette question, ça se tient sur une fonction qui serait qu'il faut qu'il y ait un chasseur et une proie. Il faut donc qu'il y ait un dominant, un dominé. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a bien cette question, c'est que tant que vous êtes dans la peau du dominant, vous ne voyez pas pourquoi vous devriez rendre le pouvoir, et c'est quand vous êtes dans la peau des dominés que d'un seul coup ça vous devient évident de dire mais c'est quoi cette arnaque. C'est pour ça que je dis que c'est une forme d'association de malfaiteurs, c'est que quand on sait qu'on est en train de faire quelque chose de malfaisant, d'un seul coup on reconsidère la question, et peut-être que c'est ce qui se pose, et notamment dans ce que vous écrivez sur cette question. En effet, en tant qu'homme, d'un seul coup, le MeToo arrive, pose cette question complètement folle, c'est qu'on est, oui, nous hommes au milieu des hommes, et il y en a à l'intérieur qui ont cet acte, cette parole, cette dominance, et puis d'autres qui ne l'ont pas, et finalement, parce qu'on est dans la même enveloppe homme, on est bien obligé de porter le costard. Mmh. Et ce costard, il faut le remettre en question, c'est ça ? Le patriarcat, c'est un costard. C'est une façon de marcher aussi, non ? J'ai vu un extrait de votre spectacle où vous montriez comment on marchait quand on était un homme. Oui, mais parce qu'en effet, on sait bien, il faut les attraits de la virilité sont donc ceux de la puissance, il faut bander, ce qui est le sujet le pire, c'est-à-dire, en effet, c'est celui de dire, est-ce que l'injonction, c'est est-ce que j'arriverai toujours à donner du plaisir, donc à être pénétrant, donc à rendre l'autre disposé, et ainsi de suite. Et quelque part, la marche, oui, parce qu'on se prête à ce jeu de la guerre. Qui fait la guerre ? Voilà, on taille des costumes pour les hommes pour aller faire la guerre, et il faut qu'ils prouvent leur vérité, même si maintenant c'est beaucoup plus
je dirais, mixé. Mais il y a ça, il y a aussi une forme, parce que cette marche est celle aussi d'imposer, c'est comment on s'impose à l'intérieur. Et je pense qu'on en a tellement d'exemples. Le cinéma, on est regorgé, et notre simple observation du monde peut nous le montrer. Et je pense que remarquons simplement ce que nous voyons dans les rues actuellement entre la police et entre des manifestants. Ayons simplement le temps de nous poser, regardons à quel endroit se joue une domination par une marche, par comment on va écraser. Alors avant de vous donner la parole, Raphaël Liogé, je voulais réagir sur ce qu'a dit Fia Ménard, parce qu'elle a dit quand on devient une femme, on s'aperçoit de ce que c'est que le patriarcat, et donc on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Et moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas c'est mon expérience, c'est que grâce à MeToo, les femmes ont pris conscience aussi de la domination. C'est-à-dire que, par exemple, je n'avais jamais pensé que le fait que je m'interdisais quand j'étais jeune fille de me balader dans Paris après minuit, disons, était une inégalité. Je ne l'avais jamais pensé comme une inégalité de genre dans la rue, dans l'espace urbain. Je pense que c'est aussi intéressant de voir comment il y a des effets de lucidité, des effets de dévoilement qui peuvent arriver par des mouvements comme MeToo. Moi, je voudrais revenir sur plusieurs choses et rebondir à ce qui vient d'être dit. La première chose sur ceux qui se révoltent. En fait, ceux qui se révoltent sont en général parmi les dominés, mais pas tout à fait. Parce que s'ils sont complètement dominés, ils ne se révoltent pas. Ceux qui se révoltent, c'est, pour parler comme Marx de manière... Il disait, c'est la fraction dominante des dominés qui se révoltent. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette fraction-là que la frustration est le plus ressentie. Donc on voit bien que ce sont des femmes qui en fait sont dominantes en tant que dominées, qui ont commencé à se révolter parce qu'elles se disent mais pourquoi faire des stars par exemple dans le cas de l'affaire Weinstein ou Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir c'est un milieu très bourgeois qui a eu accès à une vie intellectuelle extrêmement élitiste et puis d'un seul coup elle se pose la question pourquoi il reste encore cette petite frontière, parce qu'elle y est près de cette petite frontière, mais quand on est trop trop loin derrière, on ne voit même pas la chose. Puis le deuxième point, je dirais, oui, comme disait Olivia, c'est une théorisation, mais la caractéristique de cette théorisation, c'est qu'elle ne doit surtout pas apparaître comme une théorisation. C'est-à-dire qu'un travail important dans cette théorisation, c'est d'enlever tous les oripeaux dialectiques, toutes les justifications extérieures, pour que ce soit, puisqu'on évoquait Bourdieu, pour que ce soit naturalisé, ou même mieux, que ce soit incorporé, c'est-à-dire que ça devienne, ça fait partie, c'est-à-dire on ne le pense même pas. C'est-à-dire vous parliez du fait que vous ne sortez, enfin, vous savez que vous n'allez pas suivre exactement le même parcours, vous n'aurez pas la même liberté. Vous ne le percevez pas comme une limite à votre liberté parce que préalablement vous avez incorporé le fait que c'est comme ça que vous devez vous comporter. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous diriez que les hommes, finalement, sont peut-être pas les premières victimes, mais les deuxièmes victimes de cette construction qu'est la virilité, après les femmes ? J'irai pas jusque-là, parce que je pense qu'il y a deux aspects. Parce que, alors, oui, les hommes, surtout, c'est-à-dire l'injonction compétitive de construire sa virilité, de la cour de l'école jusqu'à plus tard en ayant un boulot viril, éventuellement pas coiffeur, comme ce qu'on évoquait, ce que disait Olivia tout à l'heure, elle a raconté une histoire avec un monsieur qui voulait absolument, qui rêvait d'être coiffeur, qui un jour coiffe une jeune femme avec qui il va se marier, mais qui lui dit mais par contre il faut que tu arrêtes d'être coiffeur parce que c'est pas assez, donc toutes ces injonctions, évidemment qu'elles pèsent, et elles pèsent en particulier sur ceux qui ont du mal à jouer le jeu, donc sur ceux qui sont le plus en retrait ou qui ne correspondent pas et qui ont plus de mal à correspondre à ce modèle. Ça peut être physiquement dès leur jeunesse, parce qu'ils sont moins forts, par exemple, physiquement en sport, alors qu'on sait que le sport, c'est le sport, y compris aujourd'hui, c'est antérieurement... C'était ce qu'on appelait l'initiation. L'initiation, c'est, le sport, c'est le produit de décomposition des initiations antiques qui consistaient à faire une performance pour montrer qu'on était un homme et donc à se mesurer, etc. Moi, je crois qu'on peut... Je suis désolé de revenir à ça. Je crois que le cœur du problème, et on l'a vu indirectement avec ce que vous avez dit, le cœur du problème, c'est le rapport au corps. C'est le point nodal, c'est le regard des hommes sur le corps des femmes qui construit
cette naturalisation, cette hiérarchisation, et plus exactement la relation de jouissance. Et je vous dis vraiment, je crois qu'il faut vraiment mesurer la continuité qu'il y a, la jouissance au sens de jouir de son corps, au sens de l'orgasme le plus intime, jusqu'à la jouissance au sens civil et politique, dans la jouissance de ses droits, au sens le plus extérieur, et qu'il y a une continuité, et que c'est ce qui justifie cette inégalité. J'en tiens pour preuve l'évolution, parce qu'on parle souvent de l'évolution des droits. Bon, on a vu que c'était très difficile depuis 1789, c'était pas, les femmes ont dû se battre pour que ce soit vraiment... non pas les droits de l'homme au sens de vir, mais que ça devienne progressivement des droits de l'homme au sens d'anthropos, et que ce n'était pas facile. Après, appliquer ces droits, c'est-à-dire l'égalité économique, et puis maintenant, on est au dernier niveau. Mais c'est intéressant aussi de faire une histoire de l'évolution du rapport que les hommes entretiennent à la jouissance aussi. Et en faisant vraiment grosso modo, on pourrait dire que dans une première période, et j'entends période, non pas au sens strict d'une période temporelle qui commencera à un moment défini, puis finira à un autre moment. Je veux dire, au sens de manière générale, soit les hommes ont cherché à neutraliser cette jouissance en commençant par le corps, l'orgasme, et c'est l'excision, je dis physique, mais aussi mentale et esthétique, toutes les formes d'excision qu'on a évoquées. Ensuite, au XIXe siècle, ne pouvant plus nier l'existence de cet orgasme, à la place, on a mis en place des systèmes de contrôle de cet orgasme parce qu'il serait maladif. C'est l'idée d'hystérie, très bien montrée et expliquée par Michel Foucault, hystérie, utérus, ce que Michel Foucault appelle l'hystérisation du corps de la femme, de dire en fait, c'est comme si les femmes... On les grévait d'un potentiel de jouissance non fini, infini, au point d'en devenir folle. Et comme les hommes se représentent, ils vont utiliser leur impuissance, leur sentiment d'impuissance comme un facteur positif de régulation, ce qui est quand même fascinant, ils vont renverser. C'est-à-dire que leur sentiment d'impuissance, au niveau même de l'organe, c'est leur idée de cette incapacité à avoir... à jouir autant que les femmes dans la continuité, c'est-à-dire pouvoir avoir une érection, puis deux, pouvoir faire l'amour une fois, deux fois, mais éventuellement être limité. Et donc ils vont projeter l'idée que les femmes, elles, peuvent jouir à l'infini, et donc au point de se rendre folle. Donc c'est comme si les hommes étaient naturellement régulés, si vous voulez, et donc il leur appartenait de sauver les femmes de leur... dérégulation, dérégularité en quelque sorte fondamentale dans leur corps qui serait pathologique, et c'est comme ça que se construit le contrôle bourgeois. Donc là on a un deuxième temps, une deuxième période où on accepte l'idée qu'il y a cette jouissance, cet orgasme, mais on le contrôle. Et ce qui est intéressant, c'est les années 70, 80, 90, où là on n'a même plus le droit officiel de le contrôler, donc on valorise cet orgasme. Mais nouvelle construction de la virilité sur le dos à nouveau des femmes, dans cette relation de dépendance en réalité, dans un sens, c'est l'homme qui provoque la jouissance cette fois. Ce que j'appelle le paradigme Michel Sardou. C'est-à-dire, je vais te faire jouir, dans la chanson où il dit je vais te faire jouir. Je vais, oui, mais à un moment donné, tu vas jouir, comme c'est la chose absolument à l'infini, etc. Ça veut dire que. On veut bien croire qu'il va la faire jouir dans la chanson, on veut bien le croire. Mais ça suppose qu'elle ne pourrait pas jouir toute seule. D'où, encore aujourd'hui, le côté difficile culturellement à envisager, malgré tout, de la jouissance autonome. Ça commence à venir aujourd'hui. Mais presque le côté même castrateur dans le discours des hommes sur le fait que des femmes puissent se masturber. Ça a l'air d'être une question de base, la question de la masturbation des femmes. C'est la question de l'autonomie. Alors que c'est beaucoup moins scandaleux. Un garçon qui se masturbe, d'ailleurs, c'est une sorte de... C'est comme si c'était justement naturel pour un garçon de se masturber, alors que ce ne serait pas naturel, a priori, pour une femme. En réalité, c'est faux. C'est juste un certain rapport à la connaissance de son corps, un certain rapport à la construction même de son identité, qui passe pour naturel. Mais c'est tout. Et donc je pense que le pouvoir, le rapport au pouvoir, il commence par le corps, il commence par la jouissance, qui est la première manifestation d'autonomie, la possibilité de jouir de façon autonome. Fia Ménard a envie de dire quelque chose sur le sujet. Bon, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on prend un chemin, on dérive, mais c'est intéressant.
Je pense qu'il y a la question de la fête. Systématiquement vers le sexe. Non, mais c'est parce qu'il y a la question. Bah, je pense que oui. Non, mais parce qu'il y a la question. Il y a une question. Il y a une question de la visibilité. Une question de, pardon, vous avez de la visibilité. Ce que je veux dire, c'est que dans, bon voilà, dans le rapport du corps de l'homme, en tout cas, voilà, je vais partir d'un point de vue celui que je peux connaître, c'est que tant que j'étais dans ce rapport de l'homme avec mon phallus, j'avais de toute façon la visibilité. C'était une partie extérieure avec laquelle j'avais un dialogue. C'est d'ailleurs un peu comme l'a fait Topor, je repense à quand il a fait son film avec Robert Xoneux sur Sade, où on voit en effet Sade qui passe son temps à parler à son sexe. Parce qu'il y a quelque chose comme ça. Mais c'est parce que c'est en effet la valorisation de quelque chose de visible, de toujours extérieur, et quelque chose dont finalement qui est une partie extérieure du corps. Pour nous, femmes, la visibilité de ce sexe ne peut se passer qu'avec un miroir. Il est donc évident qu'en plus, on n'en voit qu'une partie extérieure. On en est donc dépossédé de la possibilité, ne serait-ce que si on soumettait un simple sondage entre celles qui ont eu des enfants garçons ou des enfants filles, de quel enseignement on fait à la fille de son propre sexe, c'est-à-dire à quel endroit on est capable de dessiner, définir l'ensemble de son sexe et la valorisation de ça. Donc sur la question de la masturbation, il est évident que masturber quelque chose que l'on voit, c'est comme un grain de beauté qu'on viendrait à chatouiller en permanence, et que le sexe de la femme étant dans son horizon invisible, c'est toute une aventure qui est celle de ne jamais pouvoir se démontrer, ou de la monstration. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va questionner en permanence son soi-même, et son soi-même, est-ce qu'on le partage avec l'autre? Le garçon partage l'érection avec l'autre garçon. Ils se comparent, ils font un travail de comparaison, mais si on faisait un petit concours de dessin entre nous ici, on verrait qu'on serait très difficilement d'accord sur les formes exactes des parties génitales féminines, tout simplement parce qu'elles sont particulièrement bannies de visibilité. Et ça, c'est peut-être un des sujets aussi centrales, c'est que la virilité se fait sur le fait de montrer que ce sexe extérieur, qui ne vous appartient pas et qui n'appartient pas au corps de l'homme d'ailleurs, c'est ça qui est terrible, parce que de douter de sa bandaison, si on peut le dire, c'est douter de cet objet qu'on regarde et qu'on a l'impression qu'il ne nous appartient pas. D'ailleurs, chose qui rapporte aussi, je dis souvent pour moi, que l'efficacité d'une érection, une fois que l'homme est à l'érection, il a toutes les chances d'arriver à l'éjaculation, donc au plaisir. Reposons la même question du côté des féminins et la question de l'aventure, du plaisir, et je contredis le fait quand on parle d'orgasme, c'est rare en fait, c'est assez rare l'orgasme, le moment de, parce que ça passe par des stades qui sont des stades très incompréhensifs, très surprenants, de doutes mystérieux, qui ne correspondent à aucune injonction, aucun code. Et qui d'ailleurs fait bien que dans le rapport hétéro est un des rapports les plus compliqués pour ça, c'est que dans la volonté de l'homme de vouloir faire jouir la femme, il est déjà en train de penser à ailleurs, quand elle est déjà en train d'essayer de savoir où elle est. Olivia ? Je vous laisse profiter des applaudissements. Oui, je voulais juste rebondir sur cette... ajouter quelque chose, parce que je suis parfaitement d'accord avec mes voisins, sur intérieur-extérieur, parce que là encore, dans cette construction des assignations sexuées, c'est très important l'intérieur et l'extérieur, parce que ne voyant pas le sexe féminin, les anatomistes, les médecins, etc., dans toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, on dit mais finalement, cette intériorité, ce sexe féminin qui est en retrait, eh bien, ça, c'est la nature de la femme, et donc c'est ce qui la prédispose naturellement à rester à l'intérieur, à faire des travaux d'intérieur, à avoir une vie intérieure. C'est la femme, elle lit, elle est à l'intérieur. Alors que la fière extériorité du sexe masculin le destine tout naturellement à l'extériorité et à la conquête. Et c'est un sexe qui est effectivement conquérant. Et il y a des choses comme ça, toutes simples à rappeler, que testis, donc qui donne testicule, veut dire témoin, ça veut dire
elles sont le témoin, elles, les bourses, comme on disait dans le temps, sont le témoin de la virilité de l'homme. Donc, est-ce qu'il faudrait absolument avoir besoin de témoins si ça allait de soi? Et à l'inverse, un organe complet de l'anatomie féminine, le clitoris, a été complètement... On peut parler d'une excision des manuels scolaires, une excision des manuels d'anatomie, une excision totale, puisque non seulement on excisait les fillettes, mais en plus... c'est un organe qui n'existait pas dans les planches d'anatomie, encore très récemment. Donc, vous voyez, c'est cette histoire de visible-invisible. De toute façon, ce qu'il faut avoir, juste, je vais aller rapidement, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dualités intérieures-extérieures, elles structurent évidemment la différenciation homme-femme et surtout la hiérarchisation, parce que moi, la différenciation, c'est un sujet immense, qui est un sujet philosophique, très complexe. En revanche, la hiérarchisation, c'est vraiment une question politique dont on peut s'emparer. Mais ces polarités ne structurent pas seulement la différenciation homme-femme, mais tout l'ordre symbolique du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a coupé le monde en dualité au pluriel. Mais il y a extérieur-intérieur, mais haut-bas. Le haut-bas n'existe pas en réalité, tout est relatif. Le haut n'existe pas, le bas non plus. Le chaud et le froid non plus. Le sec et l'humide, la limite non plus. Donc en fait, il y a une espèce d'artificialité de la construction binaire du monde, celle dont souffrent effectivement les personnes trans, qui disent bah, c'est pas si binaire que ça, moi je me sens pas appartenir soit radicalement à gauche, soit radicalement à droite. Et donc tout ça. Et pas que les personnes trans, on peut tous se sentir pas radicalement à gauche et pas radicalement à droite. Mais bien sûr, y compris sur le plan politique. Mais effectivement, ce sont des catégories qui sont des outils intellectuels, conceptuels, dont on ne peut pas se passer pour penser le monde, puisqu'il faut bien des catégories pour ranger les concepts. Mais en réalité, il faut toujours avoir à l'esprit que oui, on a des catégories, mais qu'elles sont arbitraires et qu'on aurait pu choisir d'autres catégories et surtout qu'on peut fluctuer entre ces catégories, qu'elles ne sont pas des rigidités et des cases comme l'intériorité. Ben nous avons revendiqué de pouvoir aller à l'extérieur, mais les hommes d'aujourd'hui revendiquent aussi d'investir la sphère privée. On voit aujourd'hui d'ailleurs des jeunes femmes qui se battent pour le droit au plaisir. Il y a beaucoup sur YouTube de chaînes de jeunes femmes qui expliquent que ce serait peut-être bien d'arrêter de faire mine, que ce serait bien d'être capable de parler du plaisir féminin. Et je trouve ça assez intéressant parce que c'est dit et vécu et, comme un acte militant. C'est-à-dire qu'il s'agit plus simplement dans les magazines féminins de savoir pourquoi on n'y arrive pas, mais d'ouvrir vraiment la parole et de prendre la parole dans l'espace public pour dire c'est un élément de l'égalité homme-femme. Tant que les femmes, justement, n'arriveront pas à parler de leur jouissance, en tout cas, et à la jouissance de manière aussi facile que les hommes, ou en tout cas avec autant de spontanéité dans la façon dont elles y vont, on n'arrivera pas à l'égalité. Et ça, alors ça me fait un lien avec ce que je voudrais vous poser comme question, c'est une question très large, c'est où va-t-on? Parce que j'ai lu hier que la semaine dernière, l'association des psychologues américains avait rendu une étude... disant que la masculinité traditionnelle, est dans son ensemble nocive. Et alors, dans masculinité traditionnelle, il y a le stoïcisme, enfin ce qu'ils appellent le stoïcisme, hein, façon de se tenir, la compétition, la domination et l'agression. Bon, c'est la première chose. La New York Review of Books a fait une couverture il y a 2 mois qui s'appelle La chute des hommes. Alors, qu'est-ce qui est en train de se fabriquer dans la société qui pourrait peut-être vraiment ébranler ces grandes catégories binaires? Est-ce qu'on peut rêver de ça ou est-ce que ça va être plus compliqué? Je voulais juste dire quelque chose sur la question de la binarité, justement, qui va être tout à fait complémentaire, qui va anticiper sur la réponse à votre question. C'est que, effectivement, la vraie question, c'est pas la question de la différenciation. Or, c'est-à-dire la question c'est de la... C'est pas le fait qu'il y ait des hommes et des femmes. C'est pas la question de la différenciation, même du multiple, parce que des catégories qui sont sur lesquelles des catégories, je veux dire le soleil, la lune, le négatif, le positif, etc. Même qui peuvent être par analogie sur le courant électrique. Enfin, ça peut. Non, mais c'est que c'est une binarité hiérarchisée. Mais, c'est ça le problème. Mais et la question de la hiérarchie. La question de la hiérarchie, c'est-à-dire de la séparation, une sorte de séparation sacrée du groupe, c'est pas une hiérarchie, même, j'allais dire, qui est neutre, c'est-à-dire une hiérarchie qui est à égalité. C'est une hiérarchie qui est là pour donner un droit
exclusif à une, une des deux parties. C'est ça qui est important. Et donc, on voit bien que tout est fait, c'est-à-dire jusqu'à l'organe sexuel féminin, effectivement, il est lui-même en retrait, l'organe masculin, il est lui-même en quelque sorte public, il est déjà politique, en quelque sorte, il est placé sur la passe publique, il est hors. Hein. Toutes ces choses-là sont faites pour donner un droit qui va construire justement la virilité comme pouvoir, c'est-à-dire comme domination. Donc ce n'est pas différenciation seulement, c'est même pas seulement hiérarchie, c'est ça passe une différenciation qui devient hiérarchie, qui elle-même devient un droit au sens du pouvoir, donne du pouvoir. C'est pour ça que quelqu'un comme Marshall Saline avait même essayé un de montrer... L'anthropologue Marshall Saline a montré que le proto-capitalisme, c'est-à-dire le début du capitalisme, ça commence par la capitalisation du corps des femmes, c'est-à-dire le fait de capitaliser un plus grand nombre de femmes en prétendant qu'on les possède ou en organisant leur possession au sens sexuel comme au sens de les mettre à son service, donc en les consommant, quand on dit qu'on consomme un mariage, c'est le rapport à consommation, c'est le droit de consommer, et bien ça, c'est ça qui structurait la base même du pouvoir qui allait devenir le pouvoir, qui allait construire le capitalisme à un certain niveau. Donc on n'est pas étonné ensuite qu'il y a des produits de décomposition de cette première origine du pouvoir dans le fait de, pour l'homme d'affaires, d'avoir des maîtresses. Parce que ça structure aussi son pouvoir à un certain niveau, c'est-à-dire qu'il se valorise de cette manière-là. Donc vous disiez, aujourd'hui, si il y a un vrai renversement, ce renversement, il doit prendre place à l'origine de la question. C'est-à-dire qu'il doit prendre place à ce droit de consommer. Donc il doit prendre place dans le regard consommateur lui-même, donc dans le rapport de prédation. Dans mon bouquin, je parle de la version originelle, archaïque, de La Belle au bois dormant. Du mythe de La Belle au bois dormant. C'est quand même fascinant, cette version. Parce que déjà, la version que tout le monde connaît, des Fergrim et puis d'autres, elle est déjà intéressante. Mais là, dans celle-là, une femme qui est effectivement, qui n'est pas vraiment une princesse, est endormie dans un château au milieu d'une forêt. Et un prince, lui qui est un roi, enfin qui est un principé, quoi, qui part à la chasse. Donc c'est un prédateur déjà, c'est pas pour rien, il part à la chasse. Et il tombe sur cette jeune femme. Et elle est endormie, il la trouve à son goût, c'est même pas l'idée qu'il la trouve belle, il la trouve à son goût, donc il la viole. On sait même pas si... je dis il la viole en vocabulaire moderne, puisque lui, il ne suppose pas qu'elle ait une volonté, puisqu'elle est endormie, donc elle est la représentation même de cette passivité absolue qui est là pour lui. Il la viole, elle tombe enceinte. Déjà, quand il la viole, elle ne se réveille pas. Non, non, mais c'est intéressant symboliquement. Deux, elle tombe enceinte, elle ne se réveille toujours pas. Elle accouche de jumeaux, elle ne se réveille pas. C'est quoi ta version de... Jean-Baptiste, c'est une version du 16e... Non, non, mais vraiment, c'est une version... C'est la version qui a été à l'origine. Je ne connaissais pas. Ah ouais. Et qui s'est diffusée tout au long du Haut Moyen-Âge jusqu'à... Et à un moment donné, et c'est là où arrive l'histoire de l'aiguille, c'est justement quand un des bébés a faim, il faut qu'il mange, donc il essaye d'agripper sa bouche au sein de sa mère, et malencontreusement, il prend l'aiguille qui avait endormi sa mère, il la retire. Et là, elle se réveille et elle voit ses magnifiques enfants et elle est toute heureuse, elle ne réfléchit même pas à la question d'où ils viennent, pourquoi, violer, pas violer, d'où ça vient, c'est pas le sujet. Et la morale de l'histoire est juste absolument fantastique. La morale de l'histoire, c'est à une femme vraiment vertueuse, le meilleur peut lui arriver, même en dormant. Donc, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est cette représentation, c'est cette image-là, c'est-à-dire de la femme qui est en attente, de la femme qui est passive, c'est-à-dire qui est l'objet de cette possession, qui doit être mis en cause. C'est-à-dire, tant qu'il y aura des boîtes de nuit où ce sera gratuit pour les filles, un jour, la question dans mon cours d'anthropologie, c'est pourquoi est-ce que c'est gratuit pour les filles dans certaines boîtes de nuit? Est-ce que c'est pour être sympa avec les filles? Non. On voit bien qu'on est dans un rapport de objet passif, prédation, etc. Et bien, tant qu'on en sera là, ça veut dire que ça ne sera pas renversé. C'est-à-dire que le cœur, le moteur même de la domination ne sera pas renversé. C'est en train de se faire.
Et quand des femmes se comportent sexuellement, parce que MeToo, c'est ça qui est intéressant quand même chez MeToo, pendant un an, on nous a dit que le consentement, et je suis d'accord avec ça évidemment, le consentement, c'est-à-dire la souveraineté que doivent avoir les femmes sur leur propre corps, qu'ils auraient reconnu mais qu'ils n'auraient pas vraiment reconnu, hein, se caractérise par le fait qu'une femme doit pouvoir dire non. Et que quand elle dit non, il faut arrêter de penser comme John Wayne dans la... C'est quoi, c'est La fille du désert, que elle minaude, elle veut pas, elle fait celle qu'il veut pas, et puis il lui balance deux gifles, il l'embrasse, en fait, elle était contente, c'est ce qu'elle voulait. Bon, il faut arrêter... Ça, c'est ce modèle de la princesse, ce modèle, on le voit aussi, la femme endormie, qui, de toute façon, est passive, et même quand elle est éveillée, quelque part, elle est endormie, elle connaît pas son désir. Bon. Mais... ce qui est très intéressant dans le mouvement MeToo, et ça, on n'en parle jamais, c'est que ce n'est pas seulement la possibilité de dire non, c'est la possibilité de dire oui, parce qu'une femme, elle ne peut pas dire oui non plus aujourd'hui dans les conditions qui seraient celles d'un homme, parce que immédiatement, le regard des hommes sur son corps et sur ce qu'elle est risque de changer, et ça, elle l'a intériorisé, c'est-à-dire qu'elle va, comment dire, presque décaler son plaisir, elle va négocier, elle sait qu'elle a négocié son corps, et que elle, lorsqu'elle couche avec un homme immédiatement, même si elle en a envie, cette décision, c'est une décision qui se fait en quelque sorte à ses risques et périls. Alors que pour un homme, ce n'est pas le cas, parce que c'est ça la construction de la virilité. Aujourd'hui, c'est en train de changer, mais le fait que ça change, c'est ce que, chez certaines femmes qui n'ont plus besoin de ce type de négociation parce qu'elles sont dominantes dans la société, etc., justement parce qu'elles font partie de la fraction dominante des dominés. Et donc, elles ne comprennent pas ce qui se passe, elles sont femmes d'affaires, etc., et elles veulent jouir de façon autonome. Eh bien, comme on n'ose plus les traiter de salopes, mais non, mais bon, à la place, on a remplacé ça en disant « elles sont castratrices », c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Et c'est ça le problème des hommes qui refusent, qui n'ont pas compris ou qui se sentent déstabilisés, j'allais dire, au sommet de leur, si je puis dire, du double jeu de mots, de leur phallus branlant. C'est ça la question aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à s'en sortir? Est-ce qu'ils vont tous devenir des Trump en réagissant, en rajoutant dans la pornographie, voire dans la pornographie politique, oui? Ou alors, est-ce qu'ils vont progressivement s'adapter? Ben, y a un enjeu extrêmement fort aujourd'hui. Il y a une lutte, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, Fiaminar? Est-ce que la chute du patriarcat est proche, ou est-ce qu'on risque effectivement d'avoir plutôt des retours de bâton assez violents? On en a vu ces derniers temps, y compris par exemple la mode de la constitution de groupes masculinistes qui se retrouvent entre eux, évidemment c'est non mixte, pour apprendre à chasser les femmes. Ça, c'est une des nouveautés depuis ces dernières années. Ça vient des États-Unis, ça existe maintenant aussi en France. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce mouvement de MeToo, il fait vraiment bouger au fond les structures, ou est-ce qu'on est un peu victime de notre enthousiasme? Non, je pense qu'il faut saluer chaque nouvelle prise de conscience, parce que je pense que MeToo, c'est surtout une prise de conscience, d'un côté et de l'autre. D'un côté, c'est de dire, toi aussi, tu vis la même chose, donc on partage ensemble quelque chose qui, finalement, si c'est une généralité... donc est un problème général, donc de société, donc dans ce cas-là, de l'éducation, donc du rapport des êtres humains entre eux. D'un autre côté, le retour de bâton, je dirais que ce ne sera pas les masculinistes qui iront faire des clubs de masculins. Ceux-là finiront par acheter des poupées en silicone. Donc quelque part, je crois qu'ils seront toujours... c'est ceux qui n'arriveront sans doute jamais à résoudre quelque chose. Peut-être leur pourrait dire plutôt d'aller voir un psy. Mais je pense qu'on a d'autres combats à mener. Et je pense que le combat qui est en train de se faire, peut-être c'est celui qu'on... L'an dernier, il y a eu un élément qui est assez intéressant. Il est passé assez vite à la trappe, mais c'est lorsque un juge administratif a rendu... un jugement d'avis de neutralité sur un sexe à une personne, voilà, en disant voilà, on accorde le fait que ce sexe, on puisse déclarer sexe neutre. Bien sûr, tout de suite, une cour s'est constituée en cassation pour interdire cette notion-là, parce que ça veut dire quoi? Au moment où on va arriver à ce stade de la rupture de la binarité et d'accepter qu'un individu puisse faire reconnaître sa neutralité, ça veut dire qu'il se positionnera automatiquement en opposition des deux, en disant je ne veux être ni l'un ni l'autre, je veux être
reconnue dans la possibilité de, voilà, d'une définition qui mettrait personnelle ou d'une définition d'une autre forme de groupe. De, et donc la neutralité a bien son sens. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose quand même qui est important, c'est que ça va devenir de plus en plus, quand on est en train de parler de gender fluide, on le voit, on conçoit que de plus en plus des personnes peuvent se définir elles-mêmes comme finalement, ben non, pas forcément être homme à tel endroit ou femme à tel endroit dans la société, de recadrer aussi la possibilité de cette assignation à des stades très différents. Alors, il est évident que pour moi, c'est l'enjeu là le plus fort. Le jour où on arrivera à accorder au droit à un être humain sa neutralité, sans doute que ce sera les dernières heures du patriarcat, parce que il faut bien se dire que dans cet acte-là, jusqu'à présent, il y a un acte de domination et un dominé, mais ça veut dire qu'il y aura toujours un dominant, mais deux dominés. Et que toutes les chances viendront à faire que les deux dominés auront raison de s'accorder et de trouver un dialogue commun pour réussir à faire inverser cette position. Donc on peut se dire que oui, il y aura des retours de bâton, mais ne serait-ce que des éléments comme ça nous font dire que il y a quelque chose qui se passe. Et en effet, on ne sait pas combien de millénaires il y a eu de positions presque matriarcales, et on a un bon deux millénaires de patriarcat. Disons que c'est pas grand-chose, hein, ça va vite s'effriter ça aussi. Hein. Bon, par contre, nous, on va peut-être pas le voir. Mais bon, ça s'effondre. Alors, sur cette parole optimiste ou pour d'autres peut-être catastrophique, je vais donner la parole à la salle. Je vois que... Bonsoir. Donc moi, je suis impatiente de parler de MeToo avec vous et avec le public aussi, parce que c'est vrai que le sexisme ordinaire, je pense qu'on en parle très peu à la télévision. Mais je voulais déjà réagir par rapport à l'introduction que vous avez faite sur cette soirée, parce que je sors de l'exposition de Riyad Satouf, juste au-dessus, avec... on a fait une visite en groupe, et j'ai le sentiment que vos propos sont en écho à une culture qui pour moi relève de la culture hétérosexuelle et de la culture monosexuelle. C'est-à-dire que quand vous avez parlé de Pascal Brutal, j'ai vraiment le sentiment que vous le pathologisiez. Alors peut-être que c'est une caricature, donc évidemment, j'ai pas suffisamment lu Pascal Brutal, je me doute bien qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le regard de Riyad Satouf, mais dans le fait qu'il ait des relations avec le même sexe que lui, ça n'est pas obligatoirement parce qu'il ne sait pas se définir en tant qu'homme. Moi, je suis bisexuelle, ou on peut dire pansexuelle, puisqu'on a vraiment insisté sur le fait d'être non-binaire automatiquement ce soir, et je vois pas en quoi ce serait un déséquilibre. Je me suis toujours considérée comme féminine. Je veux pas qu'il y ait de malentendu du tout. C'est... Oui, merci de préciser. Oui. Oui, non, je veux pas qu'il y ait de malentendu du tout. Non, c'est parce que le personnage de Pascal Brutal est présenté dans les albums. Ça s'appelle La Nouvelle Virilité. Il est présenté dans l'album comme le paradigme, l'exemple type de la virilité, et lui-même. Est très ennuyé avec son désir homosexuel. Mais évidemment, moi, je pense pas du tout que le fait d'être bisexuel ou plurisexuel soit en soi un problème ou une pathologie ou quoi que ce soit. C'est parce que son personnage, et c'est là où c'est fort, parce qu'on sait pas trop ce que Riyad Satouf nous dit avec ça. Moi, ça m'a beaucoup interloqué la lecture de ces albums de Pascal Brutal, parce que au fond, il met en scène ce personnage que moi je trouve très déplaisant, bon, à longueur de page, donc on est un peu étonné. Et puis de temps en temps, il y a des espèces de faille comme ça chez lui, et puis on se dit bon bah comment il va réagir. Alors là, il vient de passer la nuit avec un homme, comment il va réagir? Et là, il y a rien. Et c'est là où Riyad Satouf est assez fort, je crois, c'est qu'il met bien aussi en valeur cette espèce de difficulté, quand on a décidé qu'on était un parangon de virilité, à assumer des choses qui ne rentrent pas dans les cadres. Mais pas du tout, évidemment. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne pathologiserai jamais la bisexualité ou quoi que ce soit d'autre. Super. Alors, j'ai des questions dans le cadre de MeToo aussi, parce que je lisais le livre de M. Lioger juste avant à la bibliothèque, et il a parlé de Tinder et de la libération, d'une forme de libération sexuelle des femmes.
avec les sites de rencontres où on peut choisir pour avoir... entre guillemets, un plan, enfin un plan sexuel, je vais rester folie, mais en réalité, Tinder, en réalité, enfin moi je ne suis pas dessus personnellement, mais il y a peut-être des personnes dans la salle qui pourront témoigner, il y a quand même entre-temps eu déjà 2 documentaires pour montrer que les femmes sont sursollicitées et dans le cadre de l'insulte, c'est-à-dire que pour pouvoir peut-être avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui leur plaît, elles vont se faire insulter 10 fois de suite de salope par des inconnus. Donc c'est pour moi, c'est pas vraiment... Pour la libération sexuelle, ça serait que ces sites web nous permettent aux femmes de dénoncer ce harcèlement sexiste, parce que là, une femme qui assume d'avoir des rapports sexuels, en fait, elle se fait traiter de salope et de pute toutes les secondes, en fait. Donc du coup, il faut vraiment avoir envie, hein. Et il y a beaucoup de femmes qui partent, et c'est un petit peu comme le même mécanisme des discothèques. Vous parliez, il y a des entrées gratuites dans les discothèques, parce que comme dit ma voisine, en fait, on est considéré comme du gibier. Dans les discothèques parisiennes, il y a plusieurs types. Il y a les discothèques où il y a des agents de sécurité qui protègent les femmes. Vous n'avez jamais aucun harcèlement. J'ai été beaucoup dans le milieu de la nuit, et vous avez des discothèques où à peine vous êtes rentré, c'est des agressions sexuelles en permanence. Et on a du mal à labelliser les discothèques qui ont un très bon comportement, parce que justement, il y a des collectifs comme, je crois que c'est contre le harcèlement de rue qui font des choses. Mais pour moi, c'est aussi, je rebondis sur ce que vous disiez, parce que c'est aussi un moyen de changer. Et la dernière remarque, c'est sur Trump. Comment se fait-il que ce soit plus des femmes qui auraient voté pour Trump? Je pense que vous parliez que c'est encore le viriarcat. J'en suis pas si sûre. Je pense en tout cas qu'il y a peut-être un manque de solidarité avec la concurrente de Trump, mais qui pensait aussi avoir un beaucoup de votes de femmes. Hillary Clinton aurait pu recevoir énormément de votes de femmes. Donc quelle conclusion politique on peut faire de ça? Alors, je pense que sur vos deux premières remarques, on est assez d'accord, mais en revanche, j'interrogerais bien Olivia Gazalet sur la dernière question qui est... Ah, vous voulez? Bon, d'accord. Alors, sur Tinder, un petit mot sur Tinder, et après, on en reviendra à Trump. Non, puisque vous faisiez référence à mon livre, donc sur ce que vous avez lu, sans chercher à me défendre. Dans le livre, vous avez bien vu que j'ai pas dit que c'était un idéal à Tinder. Je dis Tinder, c'est un espace... Ou bien sûr, ce que vous avez décrit, c'est-à-dire les réflexes, la structure de la domination se reproduit, mais néanmoins, ça permet à des femmes, bien sûr en minorité, toujours avec cette pression, de se comporter plus librement comme ce qu'on attendrait d'un homme. Et il y a beaucoup d'exemples, c'est-à-dire qu'elles peuvent... dire non, sans conséquence, sauf le type qui s'excite, effectivement, qui dit ce que font tous les hommes, enfin, pas tous les hommes, je veux dire tous au sens de la généralité structurelle, pas les hommes pris individuellement, mais elles peuvent, elles aussi, elles peuvent faire l'apprentissage consistant à jouer les prédatrices. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est le renversement possible des rôles. Donc, pas été très long. Maintenant, sur Trump. Puisque j'en parle. Il faut vraiment que ces sites web protègent les femmes, oui, bien et sûr. Arrêtent de laisser ce harcèlement. Parce qu'on encourage le harcèlement. C'est du cyberharcèlement, ces sites-là. Et il faut polisser ça. Il y a des sites alternatifs où les femmes ne peuvent pas être harcelées. Et oui. Ces sites-là doivent prendre exemple sur ces sites bien alternatifs. Bien sûr, mais je crois que vous posez 2 questions. Il y a la question de les régulations dans cette période de transition. Pour se dire, tant que les regards n'ont pas changé, il faut bien protéger ceux qui prennent le risque de cette liberté, c'est ça. Mais 2, l'éducation, c'est-à-dire à la base, comment on le change le regard, ça c'est autre chose. Et il y a le point, ce que vous évoquez sur Trump, c'est comme ça que je finis un peu le livre, sur la question de Trump, la politique pornographique, le rapport à la virilité, etc. Comment se fait-il que ce soit des femmes qui... etc. Comme je disais tout à l'heure, que ceux qui se révoltent, c'est... presque systématiquement dans l'histoire des révolutions, la fraction dominante de la classe dominée, c'est valable pour la bourgeoisie qui n'était pas la plus dominée justement, mais qui se révolte pendant la Révolution française, justement parce qu'elle... Mais en même temps, il y a la masse de tout le reste, c'est-à-dire celles qui sont dominées
parmi les dominés qui, elles, ont tendance à, et ça c'est valable même dans d'autres formes révolutionnaires, à protéger, à tenter de protéger leur propre domination parce qu'elles y voient une forme de sécurité et qui peut être une forme de sécurité en réalité aussi. Et c'est ça le gros problème, parce que le droit, moi j'aime bien repérer ce qui a l'air d'aller de soi, les évidences, mais le droit actuel, le droit civil par exemple, ce n'est pas un droit égalitaire dans le rapport entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas un droit. Le code civil, il est encore rempli d'inégalités. Le seul fait que le contrat de mariage, pas le contrat au sens juridique, terme strict, c'est une convention, puisqu'on peut rajouter un contrat par-dessus, mais c'est-à-dire, il est sexué. Le seul fait qu'on dise un homme, une femme, et qu'ensuite il faille discuter la chose normalement, ça devrait être un contrat comme les autres, au sens général du contrat, hein, comprenant les conventions, ça devrait, c'est-à-dire où n'importe qui puisse changer sa volonté pour constituer une communauté de biens et de vie. Ça devrait être ça. Et moi, je serais pour, ça va peut-être vous choquer, mais je serais pour que ça puisse être trois hommes avec deux femmes, quatre femmes avec deux hommes, un homme avec une femme avec une femme, ou ni femme ni homme, ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que le droit ne prenne pas position sur la nature préalable de ce que sont les contractants. Ça devrait être ça, normalement, ça devrait être ça, la modernité. Mais on n'y est pas encore, hein. Vous avez vu les gens qui descendent dans la rue, dès qu'il y a un petit truc, on dit on a le prétexte de la famille, de je ne sais quoi, de la stabilité, alors qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on est un couple hétérosexuel qu'il y a une meilleure stabilité. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour l'enfant, on sait que ce n'est pas vrai. Mais le droit, il est encore sexué de cette manière-là, de façon assez profonde. Olivia Gazalé, peut-être sur aussi la séduction de Trump, y compris chez les femmes. Ça me faisait penser au travail d'une sociologue américaine qui s'appelle... Trump, j'ai un peu de mal, mais on va essayer. Non, non, mais il faut quand même la prendre en compte parce qu'il y a Bolsonaro maintenant au Brésil. Orban vient d'être réélu en Hongrie. On voit bien qu'il y a un type d'homme politique viriliste qui aujourd'hui, un peu partout dans le monde, se retrouve élu à la sortie des suffrages. Et je me disais, parce que je lisais le travail de cette sociologue, enfin un article de cette sociologue américaine qui disait qu'il fallait prendre la crise de la masculinité au sérieux, pas seulement dire, ah, si vous dites que le masculin est en crise parce que les femmes se libèrent, c'est que vous êtes réac. Non, il fallait prendre ça au sérieux parce que, en effet, et ça, c'est des propos que vous avez tenus en tout début de rencontre, en effet, certains hommes aujourd'hui sont perdus, notamment les hommes des classes populaires, parce que ce qui était leur modèle, le travail par exemple, la famille, sont des choses qui sont en train de s'effriter. Et on voit bien qu'il y a un vote Trump, par exemple, ou un vote populiste de manière plus générale, qui peut être une forme de revanche. Oui, alors tout à l'heure, vous avez évoqué un mot, une expression qu'on entend souvent dans les groupes masculinistes, notamment aux États-Unis, au Canada, où il y en a beaucoup, ils sont très virulents, c'est cette idée de fin des hommes. Et la fin des hommes, c'est une aberration. Les hommes ne peuvent pas finir. C'est en fait la fin de la domination d'une certaine représentation de la virilité, si on veut. C'est même pas la fin, c'est la crise des représentations viriarcales, que je préfère appeler, moi, on est d'accord, Raphaël et moi, là-dessus, on préfère parler de viriarcat que de patriarcat, pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'il s'agit du pouvoir du vir au sens héroïque et pas seulement du père, parce que à certaines époques et encore aujourd'hui dans certaines familles, le frère a plus de pouvoir que sa sœur, et même si on prend Télémaque et Pénélope, dans l'Ulysse, Télémaque dit à sa mère, tais-toi, c'est moi qui parle dans cette maison, c'est son propre fils. Donc c'est vraiment le pouvoir du masculin sur le féminin, qu'il soit père ou non. Et pour en revenir à cette idée de fin des hommes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une détresse masculine. Si vous voulez, moi je suis... Ce qui m'a mise en route pour écrire ce livre, précisément, c'est que je ne me retrouvais plus dans les discours dominants actuels, c'est-à-dire que j'avais l'impression que sur la question des sexes et des rapports entre les sexes, on était prisonnier de deux radicalités, de deux discours radicaux antinomiques et totalement irréconciliables. C'est-à-dire que d'un côté, côté femme, le féminisme, à juste titre, poursuit sa quête de revendication d'égalité des droits, de fin des violences sexuelles, de fin des discriminations horizontales, verticales, parfaitement à juste titre. Sauf que dans sa version radicale, le féminisme est parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois
androphobe, misandre, c'est-à-dire qu'on ne peut même plus évoquer la question du malaise masculin sans être aussitôt suspecté d'antiféminisme. Donc moi, je ne me reconnais pas là-dedans parce que je veux bien entendre l'idée que les hommes aussi souffrent. Et de l'autre côté, en revanche, le discours que je trouve parfaitement inaudible, c'est de dire les hommes souffrent, mais c'est à cause des femmes. C'est-à-dire le discours masculiniste qui consiste à dire les femmes nous ont émasculées, elles nous ont volé toutes nos prérogatives, donc c'est les incels qui vont jusqu'au crime, qui sont extrêmement violents et qui considèrent que toute la problématique vient des femmes. Or, en réalité, je pense que ce sont les hommes qui se sont retrouvés piégés dans leur propre système qu'ils avaient construit, et c'est un peu... comment dire, c'est très difficile de résumer ce que j'entends par là, mais je vais vous donner quelques petits exemples faciles à résumer là, parce que c'est très, très dur de parler en quelques secondes. Mais par exemple, quand les hommes disent les hommes nous. En fait, à chaque fois qu'il y a eu une conquête féministe, ça s'est traduit par les femmes nous ont volé quelque chose. En réalité, elles demandaient un accès au monde et à la sphère publique à égalité, à parts égales, simplement un accès aux sphères qui leur étaient fermées. Mais ça a provoqué à toutes les époques des réactions violemment antiféministes, c'est-à-dire elles nous prennent quelque chose, elles nous confisquent quelque chose. Et pour la question Trump, ce qui est aussi très net, c'est qu'il y a une composante évidemment très sexiste, mais il y a aussi une composante raciste et xénophobe extrêmement forte chez Trump, et qui est aussi une explication et qui procède d'ailleurs de la même chose, puisque tout à l'heure j'ai montré très rapidement que la gynéphobie avait été étroitement corrélée à la xénophobie, puisqu'à chaque fois c'est l'idée qu'il y a une catégorie d'humains qui incarne le meilleur du matériau humain, c'est-à-dire le vir, mais qui exclut beaucoup d'autres hommes. Donc tout à l'heure aussi, je réponds à toutes les questions en même temps, mais tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps de répondre quand vous m'avez dit est-ce que les hommes, est-ce que c'est la fin des hommes, est-ce que les hommes se retrouvent tous dans ce modèle? Non, je pense que les hommes ont toujours, beaucoup d'hommes ont toujours beaucoup souffert de cette situation. Donc pour eux, j'estime que cette crise est véritablement libératoire et émancipatrice, parce qu'enfin, c'est l'occasion de dire... ou haut et fort, de la même manière que les trans peuvent dire, bah voilà, je me sens non-binaire, que madame peut parfaitement dire ici dans cette salle, et ça ne choque personne, qu'elle est bisexuelle, eh bien, de la même façon, il y a des revendications identitaires qui peuvent enfin s'exprimer, et je trouve que c'est une bonne chose. Et ce qui est intéressant pour revenir à Trump, puisque c'est le nœud de votre question, c'est que, d'ailleurs, ça a été très bien dit dans des pages que vous dirigez, chère madame, les pages Idées du Monde, qui sont revenues souvent sur cette idée que dans le vote Trump, il y avait cette composante du suprématiste blanc qui n'avait jamais digéré la fin de l'abolition, enfin l'abolition de l'esclavage, qui n'avait jamais digéré la présidence Obama, et qui, à chaque fois qu'on donne un droit aux noirs, avait l'impression qu'on prenait quelque chose aux blancs, sans jamais se dire, ben voilà, nous avons un accès égal aux mêmes choses. Non, à chaque fois qu'il y a un dominant voit un dominé accéder aux mêmes droits que lui, juge qu'il est dépossédé de quelque chose. Donc il s'agit exactement de la même chose pour les femmes. Les femmes ont accès à toutes les professions, oh, on nous vole quelque chose. Mais non, les femmes sont dans l'armée, elles ne vous volent pas vos jobs, elles sont juste à côté, et il faut les accepter comme des partenaires. Donc moi, je pense que c'est absolument pas la fin des hommes, je pense que c'est le crépuscule d'une idéologie viriarcale qui est en déconstruction parce qu'elle est largement démentie par la société actuelle qui je vois pas comment on peut aujourd'hui être triomphal et victorieux dans la société dans laquelle on vit. Il y a aussi d'autres paramètres qui sont, si vous voulez, plus larges, plus métaphysiques, qui débordent la question homme-femme, parce que c'est une certaine vision prométhéenne du monde et de domination sur le monde, avec cette idée que l'homme est au centre de la planète et qui domine pas seulement les femmes, qui domine l'animal, donc qui peut le traiter comme il veut, qu'il domine la planète, qu'il domine les éléments, qu'il domine la lune, qui maintenant aujourd'hui fait même pousser des choses et du coton sur la lune. Enfin, c'est sans fin cette idée de domination, et qu'à chaque fois qu'un dominé prend une parcelle de bouffée d'oxygène, c'est on m'a dépossédé. Voilà, et c'est cette mentalité. Et maintenant, il y a une chose très intéressante aussi que vous avez soulevée, madame, mademoiselle, je ne sais pas, je ne vois pas votre visage.
Et de toute façon, ça me dirait rien sur votre état. Ça me dirait rien sur. Voilà. Ça me dirait vaguement quelque chose sur votre âge. Voilà, sur votre âge, mais pas sur votre statut. Mais fermons la parenthèse. Raphaël Liogier vous a très bien répondu tout à l'heure, je pense, sur la question de la catégorie dominante des dominés. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus. Ça a été magistralement expliqué. Et du coup, j'ai perdu le fil. Mais c'est terrible. Oui, j'allais dire quelque chose d'intéressant, oui, ça c'est sûr. Et... Mais je suis très fatiguée. Juste bon, une petite chose sur Trump. C'est oui, que voilà, c'est pas au hasard. Ça y est, revenu, tais-toi. D'accord, j'arrête. Alors, voilà, c'est que vous dites que les femmes elles-mêmes sont parfois... Bon, elles ont voté Trump. Alors, il n'y a pas que la composante antisexiste, enfin sexiste, il y a aussi la composante xénophobe et raciste, et puis d'autres, la crise économique. Il y a plein de facteurs qui expliquent le vote Trump. Mais moi, je suis extrêmement frappée, sans aller jusqu'aux États-Unis, qu'en France, en tout cas si j'en juge par ma petite expérience, les critiques les plus virulentes que j'ai reçues depuis la parution de mon bouquin viennent de femmes. C'est-à-dire que les hommes, quand on leur tient un discours, ils peuvent l'entendre, parce que je leur dis, voilà, moi je ne critique pas, je ne juge pas les hommes, je juge une certaine conception de la masculinité qu'on appelle virilité pour faire court. Mais il ne s'agit pas de critiquer les hommes. Mais certaines femmes ont pris fait et cause, comme ça, on attaque les hommes, on veut les déviriliser, on veut des femmelettes, mais moi ça ne m'excite pas une femmelette, etc. C'est un contresens complet d'abord sur ce que nous disons ici ensemble. Il y a effectivement une question de confort, et il y a surtout, d'après moi, un aveuglement faramineux du fait, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'invisibilité de la construction qui est tellement bien construite qu'elle est naturalisée et qu'elle finit par passer pour une évidence naturelle. Donc vous allez voir ces femmes qui vont dire « Ah ouais, mais quand même, il n'y a rien à faire, un homme c'est plus fort, ça doit être viril, ça doit me protéger. » Non, que statistiquement peut-être les hommes soient plus forts, oui, mais la construction c'est de dire « La femme est fragile, elle n'a pas le droit de prendre les armes. » Moi j'ai été attaquée sur le fait qu'on me dit « Bah oui, mais finalement, si les hommes sont comme ça, c'est parce qu'on a besoin de les envoyer faire la guerre pour protéger les femmes. » J'ai dit, ben non, c'est une idéologie guerrière dont on a exclu les femmes par pure construction, parce qu'il y a des tas de sociétés dans lesquelles les femmes font la guerre, et elles sont exceptionnellement, notamment les snipeuses pendant la Russe, pendant la Deuxième Guerre, mais depuis toujours, dans le Dahomey, il y a eu des guerrières, il y a eu des reines guerrières celtes. Pourquoi la femme ne pourrait pas faire la guerre? C'est une pure construction. Elles sont tout aussi vaillantes et courageuses. Donc moi, je suis pour une dénaturalisation de ces assignations. C'est-à-dire que, et je terminerai là-dessus, mais je pense que vraiment, c'est... de la même manière qu'on a construit complètement l'idée qu'une femme était douce, aimante, patiente, empathique, etc., et qu'elle n'était que ça, et que c'était des propriétés qui n'étaient pas partagées par le sexe masculin, je pense totalement le contraire. Je pense que la bienveillance et l'empathie et la générosité n'ont pas de sexe, et qu'on trouve aussi bien des infirmiers dévoués que des infirmières. Et de la même manière, enfin pour faire caricatural, et de la même manière... La combativité, et je dirais même la violence, et je dirais même la cruauté, ne sont pas l'apanage du masculin. Et que ça, ce sont toutes des catégories construites dans lesquelles nous sommes, nous, enfermés, mais nous, on le sait. Sauf que eux, les hommes, ont mis un temps infini à comprendre que c'est que la perpétuation des stéréotypes sexués masculins les aliénait, eux aussi, les enfermait, eux aussi, leur interdisait de faire plein de choses, eux aussi. D'ailleurs... je te laisse la parole. Parce que Laissons la parole à la salle. Oui, à la salle. Pour d'autres questions. Ah, bon, alors, moi, je vais continuer. Non, je vois vraiment pas de questions. Hein, ou alors, voilà, ça va mieux déjà avec. Moi, j'ai une question à poser à. Afia Ménard, parce que on a l'impression que c'est relativement simple, que finalement vous dites il y a beaucoup d'hommes à qui on peut faire entendre ce discours et ça va bien. Quand même, ce qui est intéressant là, alors c'est peut-être aussi à l'échelle planétaire, on est Paris, intramuros, dans un certain milieu, invité par une bibliothèque, tout ça, ça dit beaucoup de choses de nous.
À l'échelle planétaire, ce qu'on voit, c'est des choses un peu plus inquiétantes. C'est par exemple une panique, une véritable panique à l'idée qu'on pourrait enseigner aux enfants tout ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire que par exemple, c'est pas une évidence d'être quand on a un sexe de garçon d'être un homme viril, que c'est pas une évidence quand on est une fille d'être cette chose gentille et soumise. Et ce qu'on voit, c'est vraiment une peur vraiment terrible qui donne d'ailleurs, bon, on l'a vu, des élections, éventuellement la victoire de Bolsonaro qui a été en partie, dit-on, construite autour d'une fake news qui racontait qu'on voulait faire que le gouvernement de. Le candidat du Parti des travailleurs voulait faire, je crois qu'il voulait rendre tous les petits garçons homosexuels. Enfin, c'était quelque chose d'assez fou. Et on voit donc un peu partout, y compris en France, des gens descendent dans la rue parce qu'ils ont peur. Et alors, je voudrais savoir, Fiamena, vous présentez un spectacle dans lequel vous questionnez justement cette question des corps, des rôles, etc. Est-ce que vous avez le sentiment parfois que ça coince et que c'est pas si évident que ce qu'on a l'air de dire ce soir? Non, bien sûr, comme vous insistiez, on est dans un endroit privilégié entre gens de bonne compagnie et qui avons des réflexes d'écouter. Alors déjà, c'est déjà une grosse base. C'est-à-dire que ça nous catégorise déjà socialement, c'est-à-dire d'avoir pris le temps, la patience de lire, de savoir ce qui allait se dire et en plus d'écouter ce qui se dit et d'en faire sa propre matière. Je pense que la grosse question est bien celle de sans arrêt dédramatiser. C'est sûr qu'on aura vu en 2015 des hordes aller dans les rues, interdire que d'autres personnes aient des droits, ce qui est quand même une chose assez particulière. C'est la manif pour tous. Oui, c'est la manif pour tous. Mais qui, en effet, aujourd'hui, ce qu'on peut noter, il y a encore quelques jours, je lisais notamment ce qui se passe en Andalousie, où il y a un parti d'extrême droite, qui est un parti antiféministe, qui a été rendu à dire contre le djihadisme du genre. Alors, il faut quand même aller loin, c'est-à-dire qu'en effet, on voit bien que cette question des études de genre, qui sont une espèce d'endroit un peu... on a l'impression qu'à chaque fois que ça arrive, il y a une explosion qui va se produire ou une contamination incroyable, mais qui n'est sans arrêt que ce rappel, et ce que fait très bien Éric Fassin, par exemple, de rappeler que les études de genre sont de comprendre la société. Ça fait partie de la base même d'une étude. L'étude du genre, c'est ça. Donc on voit bien qu'automatiquement... il y a cette raison qui nous pousse à dire on entend, et puis il y a une partie complètement déraisonnée qui est celle de la peur, parce que nous sommes dans une société de la peur et qu'il est plus facile de vendre de la peur qu'autre chose, et que dans cette société de la peur, la grande peur, c'est de ne pas savoir se construire ou de ne pas savoir éduquer, de faire qu'on n'ait plus de dialogue, qu'on n'ait plus, c'est ce qui est terrible. Parce que ça veut dire que, et c'est peut-être là l'enjeu, nous artistes, en tout cas dans des propositions artistiques où on va en effet troubler, questionner, mettre plutôt une situation qui est une situation de façon fictionnelle, mais qui est une fiction qui nous touche très proche. En effet, dans une pièce comme Saison 16, j'ai demandé à cette femme de détruire la maison du patriarche. Elles le font à base d'un rituel qui va être d'un seul coup de se réapproprier leur corps, de le désexualiser en se peignant le corps, c'est-à-dire en mettant une peinture noire sur leur pubis, ce qui fait que d'un seul coup, elles n'ont plus de sexe, elles ont un trou, qu'elles ont un corps qui n'est plus avec des seins, parce que les seins, elles ont simplement fait un trait de couleur et que ce trait est très beau, que leur visage a pris une couleur, qu'elles vont faire des moustaches, qu'elles vont faire des sourcils un peu plus gros, et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'elles vont même abandonner des gestes pour se réapproprier des simples gestes, comme si elles faisaient le parcours de devenir homme. En tout cas, dans une société assignée avec un pouvoir de celui des hommes. Donc, elles prennent les archétypes, et on en a choisi de prendre des figures. Finalement, on a la figure du religieux, mais on a la figure du sportif, on a la figure du soldat qui est interprété plutôt par un pompier, on va avoir le golden boy, on va avoir des représentations qui sont des caricatures, qui deviennent un carnaval, parce que c'est un carnaval. La caricature, elle a cette force-là, c'est que le carnaval est sans arrêt pour ramener
finalement, on exerce dans la société quelque chose qui ne va pas et qu'on montre. Et nous autres artistes, nous ne sommes là que sans arrêt pour remettre sous l'œil du spectateur des choses que nous voyons de la société et qui sont là toujours et qu'on ramène en disant « Tiens, c'est marrant, on n'a pas réussi à faire quelque chose de ça, là. Vous savez, on ne sait toujours pas le traiter. » Et donc, cette question du genre, on ne sait toujours pas la traiter parce qu'on la traite en épouvantail. Mais ce n'est pas un épouvantail. C'est une question essentielle. C'est celle qui, en plus, dans nos papiers d'identité, sont celles qui sont marquées. Quel est votre genre ? Et qui m'est rappelé, moi, en permanence, à chaque douane, quel est votre genre ? Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est que, d'une part, la connaissance, ce rejet qu'il y a de la connaissance, hein, que souligne Éric Fassin, mais que soulignait déjà Pierre Bourdieu, il est lié au fait que la connaissance est performative. C'est-à-dire que le seul fait de connaître, et intuitivement, la plupart des gens le savent, y compris ceux qui sont plus enfermés dans leur méconnaissance, ils savent que si on met cette connaissance, si on leur met devant le nez, en quelque sorte, ils ne pourront plus se comporter comme avant. Et comme ils sont tellement attachés à leur comportement, ils ont ce que Pierre Bourdieu appelle des stratégies de méconnaissance. Et il distingue très bien la méconnaissance de l'ignorance. L'ignorance, c'est pas pareil. L'ignorance, je ne fais pas exprès. Stratégie de méconnaissance, c'est je fais exprès de maintenir cette naturalité parce que je sens bien qu'elle est en train de se... Et la deuxième remarque, c'est sur la manif pour tous, qui est caractéristique du type du rapport aussi à la lutte pour tenter de surmonter le patriarcat dans ce qu'il a de plus nocif. C'est que moi, je me souviens, j'avais pris pas mal de positions dans ce débat, et dans les débats, des gens me disaient, mais quand même, c'est un mouvement social. Et donc vous pouvez pas nier. Je dis, si, je nie que c'est un mouvement social, pas parce que j'ai un a priori idéologique, parce qu'un mouvement social, c'est très exactement quand des gens, quelle que soit la nature de leur objet, se battent pour acquérir des droits qu'ils n'ont pas et dont ils se sentent frustrés. Je suis désolé, les gens qui sont descendus dans la rue, dans leur majorité, ne se battaient pas pour obtenir des droits. Ils se battaient pour que d'autres n'aient pas des droits. Ça, c'est ce qui est de nature, on pourrait dire, populiste. Pourquoi ? Parce que c'est défensif. Exactement ce qui se passe avec des femmes qui disent « on veut avoir accès à », ça n'enlève pas aux hommes l'accès à. C'est juste, je manifeste en disant, ce n'est pas, entre guillemets, normal, c'est-à-dire naturel, qu'elles aient des droits. Et on a vu que c'est très exactement ça. Alors, quand un mouvement est un mouvement défensif, c'est ça le populisme. C'est-à-dire, il se représente comme étant encerclé. C'est ça le populisme, c'est la fiction d'un peuple. La fiction d'un peuple qui serait encerclé, qui se sent par des forces qui peuvent être la globalisation, la modernité, la pluralité, tout ce que vous voulez. Les gens descendent dans la rue en faisant passer pour un mouvement social, ce qui n'est qu'une défense et illustration de leurs privilèges, mais même pas une défense et illustration de leurs privilèges, c'est-à-dire le refus que les autres puissent être... Parce que même les catholiques qui sont descendus dans la rue, ils pouvaient très bien dire... Moi, si eux, en tant que catholiques, ils sont sûrs de leur identité, de vouloir se marier homme-femme, personne ne leur interdit. Et toutes les lois qui étaient envisagées, qui pourraient être envisagées de ce point de vue-là, ça, ils n'ont qu'à le montrer... le démontrer par leur comportement que c'est la meilleure chose possible, mais pas imposer aux autres le fait de ne... C'est un truc quand même impressionnant, parce qu'il n'y a que des raisons de nature pour dire c'est pas naturel, c'est pas ceci. Alors après, on va dire avec les homosexuels, j'ai vu comment le débat avait dérivé avec l'homosexualité, on dit c'est pas contre les homosexuels, mais c'est le rapport à la famille. Et on dérive, la dame qui n'est plus là, elle parlait de ça aussi, c'est le rapport à la famille, mais c'est la même chose. Ça voudrait dire qu'il y aurait une inaptitude spécifique, etc. Alors, non, mais c'est parce que les homosexuels, ils ne se reproduisent pas, etc., etc. Ben alors, dans ce cas, vous interdisez le mariage aux couples stériles, reconnus comme stériles. Non, mais on va jusqu'au bout. Si on va jusqu'au bout, on se rend bien compte, chaque fois, que c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des questions qui ont surgi ? Alors, pour parler aussi d'un autre mouvement social d'actualité, je voulais parler des Gilets jaunes, la représentativité des masculinités dans les Gilets jaunes qui sont assimilées à la combativité et donc, du coup, qui sont surmédiatisées dans le monde entier.
Et du coup, moi, je me suis constituée avec d'autres femmes pour fédérer des énergies de femmes gilets jaunes. Mais du coup, nous avons énormément d'écueils à éviter face à cette construction des masculinités. Donc, du coup, ce que les premières femmes gilets jaunes ont demandé, c'est de dire « on n'est pas féministe, mais féminine ». Et du coup, les revendications pour les droits des femmes ont du mal à se faire entendre, mais ça se comprend, parce que dès que les femmes gilets jaunes veulent s'affirmer en tant que femmes gilets jaunes dans les réseaux sociaux, elles sont accusées de vouloir diviser le mouvement, alors qu'en fait, elles ne sont pas du tout représentées. Enfin, il y a quelques femmes porte-parole, mais en termes de temps de passage dans les médias et de visibilité dans les manifestations, on ne les voit pratiquement pas. Et donc, du coup, on revient à la douceur de dire, ou au pacifisme, de dire on fait des manifs, mais non combatives. Donc ça peut être une forme de visibilité, mais à côté de ça, il y a aussi le fait qu'il y ait beaucoup de femmes mères et chefs de famille monoparentales. Donc là, on essaye de se protéger des CRS en disant qu'on est enceinte, puisque les CRS ne font pas de cadeaux avec les tasers. On est nassé par les CRS des fois pendant 2 heures, on ne peut pas sortir, etc. Donc il y a aussi, il peut y avoir une tentative d'avoir encore plus de pouvoir des CRS sur les femmes aussi. Donc quelle représentativité on peut trouver, enfin quelle revendication possible dans des réseaux sociaux où on ne veut pas que les revendications des femmes soient visibles en fait. Et tout en évitant justement le piège de l'essentialisation, de dire on peut être aussi mère, on peut être aussi douce, on chante Marianne et on représente Marianne, on représente la France. Et du coup, on peut retomber très vite dans des clichés. Voilà. Donc si jamais vous, enfin, les intervenants ou la salle a envie de réagir sur ce qu'ils voient d'intéressant et de marquant dans les gilets jaunes qui sortent des stéréotypes et qui sortent à la fois du virilisme, enfin, du viriarcat et d'un féminisme invisible. Voilà. En fait, moi, je veux juste intervenir sur une chose, c'est je me pose la question, comment ne pas être féministe? Parce que je pense que la question qu'il faut surtout déjouer, c'est qu'est-ce qu'il y a de danger, quel danger, et qu'est-ce que ça représente? Peut-être pour moi, c'est évident, je ne conçois pas qu'on ne puisse pas être féministe. Parce que j'ai vécu finalement ce passage de du plein pouvoir vers la perte des pouvoirs. Mon féminisme est celui de dire, là où nous sommes, où nous avons écrit liberté, égalité, fraternité, nous n'avons pas l'égalité. Nous n'avons pas ça. Donc ça veut bien dire que le féminisme, c'est bien là notre simple rapport, c'est de dire, nous n'avons pas les mêmes droits, nous n'avons pas, même si les choses sont inscrites, nous n'avons pas la réalité de ça, et c'est malheureusement ce que nous vivons au quotidien. Donc, et ça veut dire que ce n'est pas une lutte contre les hommes, ce n'est pas une lutte, et je pense qu'il faut rappeler que ce terme, il n'est pas là pour dire qu'on est en train de détruire ou de vouloir retirer quoi que ce soit. Non, c'est la même chose que pour finalement le mariage pour tout le monde, c'était de dire, mais nous on veut les mêmes droits. Et c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, se revendiquer féministe, c'est se revendiquer simplement de dire « je veux les mêmes droits pour que le mot féminisme n'existe plus ». Le jour où nous aurons l'égalité, nous pourrons enterrer le mot. Le jour où nous aurons réussi, nous enterrerons le mot. Et quelque chose sera gagné. De la simplicité du rapport entre les hommes et les femmes. C'est notre chemin. Et tant qu'on n'est pas arrivé là, il faudra revendiquer auprès de l'ensemble des femmes de dire notre mot féminisme est important. Il n'est pas sclérosant. Il n'est pas là pour dire qu'on n'aime pas les hommes. Non, il est bien là pour rappeler une notion simplement d'égalité, de droit. De droit. Mais sur le féminisme... Ouais. Je pense que le féminisme aussi, enfin,
je crois qu'on peut être féministe radical sans être féministe extrême. Parce qu'à mon sens, même quand on est féministe, on doit être radical. C'est-à-dire prendre les choses à la racine, au centre, au le cœur du problème. C'est ça que veut dire être radical. Et le cœur du problème, c'est d'abord, pour moi, c'est le rapport au corps. Après, on peut discuter sur le sujet. Mais ça ne veut pas dire qu'on est extrême. Parce que extrême, finalement, c'est être à la périphérie. C'est d'être dans des processus qui peuvent conduire à la violence, qui peuvent conduire à des formes de réactivité qui ne sont pas empathiques, justement. Alors que je pense que le féminisme aujourd'hui, il doit passer par l'empathie, et c'est ce qui fait, et c'est, puisque vous parliez du mouvement MeToo, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, moi c'est ça qui était à l'origine de mon livre, c'est que je n'avais pas été sur le fil Twitter, j'ai discuté avec une amie de cette question, et j'ai fait le patriarche, si je peux, le viriarque plutôt, elle me dit, mais Tu es allé sur le fil Twitter pour dire ce que tu dis ? Et j'ai dit, mais bien sûr. Ce qui était parfaitement faux, quoi. J'ai fait celui qui connaissait parce que j'en avais entendu parler à la télévision, dans Le Monde, dans les journaux, etc. Et en allant sur le fil Twitter, j'ai vu la personne avec qui j'en parlais avait presque les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'elle avait vécu des choses dans cet espace que moi, je qualifierais espace de réalisation, au sens de rendre réel des processus qui n'étaient pas réalisés, donc avec cette espèce de réalisation collective. Et quand je suis allé sur le site, enfin quand je suis allé sur le fil Twitter, je me suis rendu compte que c'était un mouvement empathique, pas du tout guerrier, pas du tout, c'était pas du tout la chasse aux hommes. C'était pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs la base même de mon travail, ça a été de montrer comment il y a même, peut-être il y en a plus, au moins 5 manières de parler d'autre chose en prétendant parler de MeToo. Il n'y a pas de dénonciation quasiment. On entend parler de dénonciation à la télévision, mais il y a 0,4% de dénonciation sur le site Twitter. C'est, c'est complètement presque anonyme. Hein, t'es au tout début, justement, quand ça a été médiatisé, mais après, il n'y a pas de dénonciation. Il n'y a pas de limitation, d'idée de limiter la liberté sexuelle et même de limiter le flirt. Il y a une revendication de réciprocité empathique. C'est pas du tout ça. Il y a même un appel pressant aux hommes pour rejoindre les femmes dans leur modernité, dans la prise de conscience qu'elles ont de ce qu'elles ont vécu, de ce qui a pu être traumatique, etc. Donc, et c'est étonnant de voir, d'entendre dans les médias depuis plus d'un an que ça serait, que MeToo, ça serait... Non, ce qui se passe autour, ce qui est lié à cette prise de conscience, le rapport aux droits des gens qui exagèrent d'un côté, de l'autre, tout ce qu'on veut, ça n'a rien à voir avec le cœur du problème, avec cette radicalité-là, qui est une radicalité empathique, non violente, qui ne demande que l'accès minimum, enfin que l'accès donc minimum, mais qui est entier, au droit, à une égalité, qui est une égalité juste complète, c'est-à-dire la réciprocité, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. En fait, il n'y a rien d'autre. Et depuis un an, on parle d'autre chose. On dit, oh, on exagère, maintenant on ne pourra plus rien faire en France. Parce que comme je vis une partie du temps aux États-Unis, en France, c'est marrant la façon d'interpréter suivant nos deux prismes culturels. En France, on dit « Ah, c'est horrible, on ne va plus pouvoir flirter comme on veut, tranquille, ils exagèrent. » Oui, bien sûr, ce que j'appelle le passage du « oui, bien sûr » au « mais quand même ». Le « mais quand même », c'est quand c'est naturalisé, etc. « Ah oui, bien sûr, mais quand même, attends, une femme, ça reste une femme. Et puis bon, si on ne peut plus rien faire, on ne peut plus s'asseoir à côté d'une fille qui nous paie dans le métro, il ne faut pas quand même charrier. » Vous voyez le truc ? Eh bien, vous avez plein d'hommes qui disent ça aujourd'hui. Non, mais je le fais bien, ouais, parce que j'en ai voilà. En fin de soirée, en général, on n'ose pas les contredire quand on est entre potes, etc. etc. Mais... Et aux États-Unis, c'est la judiciarisation. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se dédouanent en disant qu'il faudrait que tous les éléments soient écrits, contractualisés, etc. Non, c'est juste le regard qui doit changer. On peut mettre tous les éléments possibles dans le contrat, on peut écrire tout ce qu'on veut, ça ne change rien. Je veux dire, ça ne change rien tant que les hommes continueront à voir les femmes, dans une certaine mesure, ce que vous décriviez sur Tinder, c'est-à-dire salope, etc., comme un bien fongible au sens économique du terme. Un bien fongible au sens économique du terme, on en a eu des preuves récentes dans les médias avec certaines sorties de certains intellectuels écrivains sur le sujet. Bien fongible en économie, c'est un bien qui perd de la valeur, qui se dégrade en partie à l'usage, en partie avec son degré d'usure, avec son degré d'échange, etc., et avec sa persistance dans le temps. Mais je suis désolé,
le rapport que les hommes entretiennent à la possession des femmes et la valorisation même de leur fantasme par rapport à la jeunesse, par rapport à ce qui est plus neuf, moins neuf, la virginité, etc. Et puis toutes ces choses qui continuent à exister structurellement, c'est ça quand même le problème. Et puis c'était assez frappant quand même cet amalgame qui avait été fait entre la violence sexuelle et la séduction. Ouais, ce que tu dis, on ne pourra plus draguer. Enfin, pour rappeler que MeToo, c'était quand même la rupture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une prise de conscience, la rupture avec, on va dire, 3-4 000 ans, hein, plutôt que 2000, de violence sexuelle omniprésente, culturellement omniprésente et valorisée, même, faut lire Vigarello, Georges Vigarello, Histoire du viol, où il montre tous ces chevaliers qui venaient, qui prenaient d'assaut les châteaux, qui violaient toutes les filles. Enfin, il y avait vraiment une culture du viol, c'est un mot qui a son sens, culture d'impunité complète des coupables, de culpabilisation systématique des victimes, parce que ça, on revient à la femme fautive, à Pandore, Cassandre, Lilith, Ève, c'est toujours la femme fautive, et puis de culture du silence, parce que la culture, la première chose qu'on demande à une femme, que ce soit dans la Bible ou chez Périclès ou partout, c'est le grand honneur d'une femme, c'est son silence, c'est sa dignité, sa pudeur, ça fait partie de la féminité que de se taire et que d'être discrète. Le plus grand honneur pour une femme, c'est de se taire, disait Périclès. C'est assez paradoxal d'ailleurs, parce qu'il avait épousé une grande, il était avec une grande bavarde, prof de rhétorique, Aspasie. Mais c'est un des. Bon, bref, c'est. Il n'y a que les dominants qui peuvent avoir une femme qui parle, peut-être. J'en sais rien. Mais donc, ce qui était très curieux, c'est, enfin, moi, ce qui m'a énormément choquée, pas seulement donc en tant que philosophe écrivant ça, mais en tant que femme, c'était que tout à coup, on savait plus de quoi on parlait. Ça partait dans tous les sens. Et comme le disait bien Raphaël, le fameux, on peut plus draguer. Et j'ai dit, mais ça quand même, ça en dit long sur, enfin, cette confusion entre violence sexuelle et séduction en dit long sur le processus même de la séduction. Et si on revient effectivement très loin dans le temps et qu'on se souvient qu'effectivement, ce que tu disais sur la Belle au bois dormant, l'idée chevaleresque, c'est finalement l'idée que la femme ne veut pas. Elle doit d'abord dire non, mais qu'à force d'opiniâtreté, de persévérance, le chevalier finira par la faire rendre. Il y aura une reddition. Donc c'est exactement, en plus, le lexique guerrier, c'est le même. Si on prend d'assaut la forteresse, elle finira bien par se rendre. Et donc il y a cette idée que la femme dit toujours non, mais que c'est un non qui dit bah, « oui, mais ce sera peut-être oui, mais plus tard, mais vas-y, insiste un peu ». Alminode. Voilà, Alminode. Et donc, c'est tout ça aussi qu'il faut déconstruire sans le déconstruire, parce que c'est aussi ça, le jeu de la séduction, qui doit d'abord être un jeu de langage et un jeu des corps, avec des signaux qui sont émis dans un sens et dans un autre. Mais effectivement, si un homme, moi, essaye de me séduire, il va faire un pas en avant, et ensuite, moi, j'émets des signaux qui sont assez clairs pour lui dire ça. Si vous voulez prendre la métaphore de l'ascenseur, de l'escalier, il monte sur une marche, moi, je suis tout en haut. S'il me plaît, je vais lui dire, bah, écoute, Coco, prends directement l'ascenseur, je t'attends, c'est bon. Hein, bon. Et puis, s'il ne me plaît pas, je lui dis très clairement, et je signifie très clairement, redescends immédiatement et ne me touche pas. Et ça devrait être un langage que les femmes ont le droit d'exprimer sans passer pour des emmerdeuses, si elles disent non, ou des casse-pieds, ou des je vais être polie, mais enfin, mal baisée, c'est un peu ça aussi quand on refuse les assauts. Et à l'inverse, effectivement, que la femme qui elle-même se met en position non pas seulement d'objet de désir, mais de sujet du désir, ne soit plus traitée de filles légères pour être polie. Parce que c'est ça toute la question, c'est que quand on parle de femme-objet, c'est bien sûr objet sexuel, mais c'est aussi un objet de pensée. C'est-à-dire que la femme est toujours en situation d'objet. D'ailleurs, elle a été essentialisée par l'homme. Elle est désirée par l'homme. Elle ne peut pas être désirée par l'autre femme, par exemple. Elle est désirée par un homme qui a des appétits présumé incontrôlable. Il y a aussi cette idée qu'il y a cette espèce de testostérone qui fait que les désirs des hommes sont irrépressibles. Alors qu'en réalité, il a peur de ses propres limitations. Voilà. Et donc, il construit l'incontrôlabilité comme devenant une qualité inversée. C'est exactement ça.
Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, effectivement, le jour où une femme peut se mettre elle-même en situation de sujet du désir sans que l'expression de cette subjectivité ou de ce désir soit mal considérée, mal perçue socialement, parce que ça ne fera plus référence à cette femme. Parce qu'il faut rappeler que la voracité sexuelle, la prédation, etc., dans l'imaginaire occidental, sont du côté de la femme initialement. C'est-à-dire que Mona Chollet le dit admirablement dans son bouquin Sorcière. Il faut en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que la sorcière, la prédatrice, la fornicatrice au désir impétueux, dans la Bible et dans la mythologie, c'est la femme. Donc, à la limite, l'homme, il est presque en position de se garder de ce désir impétueux. C'est pour ça qu'il faut les contrôler. C'est parce qu'elles sont insatiables, c'est parce qu'elles ont le vice dans le sang. Et la sorcière, c'est quoi? C'est une femme qui s'accouple avec Belzébuth, avec le diable. Donc, c'est ça qui l'a rendue... voilà, les hommes ne sont jamais soupçonnés de s'être fait accouplés avec le diable, bizarrement. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut déconstruire, et je pense que l'histoire est importante, parce que l'histoire nous permet de comprendre la construction, et on ne peut pas déconstruire sans comprendre comment c'est construit. D'ailleurs, c'est bien la différence entre la déconstruction et la destruction. Détruire, c'est taper avec un marteau, et voilà, on ne sait pas ce qu'il en reste. Déconstruire, c'est vraiment faire ce travail de... Mais d'où ça vient, au fond? D'où vient cette assimilation de la violence sexuelle et de la séduction? Pourquoi on a dit que MeToo allait castrer les hommes? Pourquoi on a dit qu'on ne pourrait plus draguer? Et on l'a dit parce que dans l'imaginaire, dans la construction des rapports sexuels, dans la construction de la séduction, il y a cette idée que l'homme prend et que la femme se rend. Et que dans l'idée du viol, il y a aussi cette idée que la femme, finalement... Hein, combien de fois on l'a entendu, ouais, elle a bien cherché avec sa mini-jupe, elle n'a qu'à pas provoquer. Ben c'est Lilith. Lilith, elle s'est accouplée avec le diable, c'est elle qui a voulu chevaucher Adam, elle est coupable. Donc effectivement, cette déconstruction, ça revient aussi sur votre première question, madame, de pourquoi les femmes aussi ne se rendent pas compte. Parce que cette déconstruction, comme vous l'avez souligné, elle demande du temps, elle demande de la réflexion, elle demande de suspendre en philosophie, on appelle ça l'époquée, c'est-à-dire une suspension de nos certitudes pour essayer de voir à quoi tout ça renvoie. Mais c'est un travail lent et patient, et là, on peut le mener sur nos enfants, dans la manière dont on les éduque à toutes ces questions. Et effectivement, y a de quoi être à la fois très optimiste, parce qu'il y a cette déconstruction du virilisme. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette salle. Donc, à soi seul, c'est un événement important. Et en même temps, comme à chaque fois que la virilité se sent menacée, il y a cette culture de la régénération viriliste qu'on a vue à 40 périodes de l'histoire. À chaque fois, même au moment de la Révolution, on a dit les courtisans sont efféminés avec leurs perruques, leurs machins, leurs poudres, leurs bijoux. Il faut régénérer le soldat, régénérer. Et la Révolution était par essence un mouvement viriliste. Après, on retrouve ça entre deux guerres, avec cette effémination prétendue de la société à laquelle le fascisme réagit par la régénération, par la guerre, par le muscle, par la force. Donc moi, je suis à la fois optimiste et très inquiète, parce que effectivement, toute ce crépuscule, cette déconstruction génère aussi des réactions d'hypervirilité hyper agressive, hyper violente, et je pense qu'on n'a encore rien vu. Alors moi, je ne maîtrise pas... oui. Voilà, et alors une dernière question et des réponses rapides, parce qu'il est déjà, il est déjà 9h. Merci de me donner la parole. Je voulais justement que les panélistes nous proposent des ouvertures, parce que là, effectivement, on a bien vu dans le débat, c'est compliqué de parler de la virilité, c'est compliqué de parler et l'homme dans tout ça. À chaque fois, on revient sur et les femmes, et les femmes, et on compare toujours avec les femmes et les femmes. Hein, on a eu, toutes les questions étaient surtout et nous, les femmes. Et donc, moi, je vais revenir. Par exemple, vous avez fait une ouverture à l'instant en disant une des solutions, c'est l'éducation. Moi, j'ai été frappée, une petite anecdote, après le mouvement MeToo, dans ma famille, avec mon mari qui est là, on a fait un conseil de famille, on a mis le MeToo sur la table, j'ai 3 enfants, un garçon, 2 filles, et on en a parlé.
Et c'est mon mari qui a pris la parole. Donc je me suis dit, tiens, c'est normal, tous mes copains ont fait la même chose. Ben non, en fait. Toutes les copines ont fait la même chose avec leurs filles. Et je n'ai aucun cas autour de moi de copains qui ont pris leur fils, qui m'ont dit, est-ce que tu as entendu parler MeToo, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc ça, ce n'est pas du tout représentatif d'une étude sociologique, évidemment. C'est la petite anecdote pour pointer de et qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire maintenant ? Comment on peut faire avancer l'éducation ? Est-ce que c'est l'éducation ? Est-ce qu'il y a d'autres champs dans lesquels on peut faire avancer la question ? Parce que travailler sur les stéréotypes masculins, c'est compliqué. Les femmes, elles ont fait tout un travail depuis longtemps. On a beaucoup des cas. Et d'ailleurs, toutes les questions retournent autour des femmes. Mais comment on fait pour avancer côté homme ? Il faut lire nos livres. Je les ai lus. Je vous les allez ai voir lus, les spectacles de Femina. Je les ai lus, on va voir les spectacles, mais à votre avis. Non, je plaisantais. Mais... Juste une petite chose sur, votre, sur ce que vous dites sur la question de l'éducation. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui peut se passer ? Déjà, il y a des processus qu'on ne maîtrise pas dans ce qui va se passer, qu'on ne maîtrise pas vraiment. C'est la question du backlash, c'est-à-dire du retour de bâton qu'évoquait Olivia. Mais le retour de bâton, c'est fait partie du processus dialectique. Ça veut dire qu'on a dit Trump en réaction à un certain nombre de choses, hein, en réaction à une réaction raciste, une défense d'une certaine, d'une certaine frustration. Mais ce n'est pas non plus un hasard si MeToo se développe après Trump, au moment où Trump est né. C'est-à-dire qu'à nouveau, il y a un backlash du backlash, c'est-à-dire une réaction de la réaction. Et on n'a pas fini. Et c'est comme ça que la pelote historique se dévide. La question, c'est est-ce qu'on va perdre la promesse basique de la modernité, qui est l'idée qu'il faut qu'on arrive à une égalité, une réciprocité réelle. Moi, je préfère même presque le terme de réciprocité au terme d'égalité, parce que la réciprocité, ça renvoie directement au fait que on n'a pas dit qu'il fallait supprimer les fantasmes, parce que des milliers d'années de construction fantasmatique, enfin moi je pense que ce n'est pas possible de les supprimer immédiatement, parce que même des féministes extrêmement, extrêmement dures, aguerries, idéologiquement parfaites, il est possible que dans leur rapport sexuel elles-mêmes, elles aiment être dominées. Il y en a, j'ai lu beaucoup de textes sur ce sujet. Vice-versa ? Et vice-versa, exactement. Et d'ailleurs, la question du vice-versa est intéressante, parce que je pense que c'est à ce niveau-là même que la réciprocité doit être travaillée. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de renverser le tout au tout, puisque renverser le tout au tout, ça serait comme enlever une écharde qui est plantée depuis des millénaires dans notre corps mental, si je puis dire. Et si on l'enlève d'un seul coup, c'est l'hémorragie même de nos fantasmes, et ça risque de provoquer même une réaction, des frustrations encore plus violentes. En revanche, moi, je crois à la propriété du jeu, du fait de jouer à l'empathie, au changement, à la réversibilité. C'est ce que j'ai appelé dans mon bouquin, en employant un terme qui fait un peu savant sur le moment, mais parce que je n'ai pas trouvé de meilleur terme, en utilisant l'expression qui est utilisée par Nietzsche, qui est la transvaluation. Pourquoi j'emploie ce mot transvaluation ? Parce que ça, si on enlève immédiatement les formes, comme les chartes, c'est-à-dire ce qu'est la féminité qui a été construite, dans lesquelles des femmes, même féministes, se reconnaissent, où on enlève immédiatement la virilité en créant un processus de culpabilisation avec des gens qui se retranchent, ça ne va pas marcher et ça risque de provoquer des réactions encore plus violentes. La transvaluation, c'est l'idée, chacun reste dans la forme qui lui plaît, par contre, on ouvre l'interprétation du champ. C'est pour ça que je parle du paradigme du talon aiguille. Les talons aiguilles, c'était à un moment donné un symbole fermé, une signification fermée sur la femme dans sa fragilité, dans sa démarche chaloupée et qui était en retrait justement avec son talon aiguille ou alors provocante, sens inverse, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a des femmes qui font des talons aiguilles, à la fois une marque de, entre guillemets, sexiness en tant que femme et avec leur féminité, mais qui portent le talon aiguille avec leur tailleur, presque même sur leur lieu de travail, comme un signe d'autorité qu'on pourrait attribuer à des hommes, c'est-à-dire ouvrir les significations. Mais vous voyez une fois de plus qu'effectivement, c'est un exemple féminin que j'ai donné, parce que les femmes sont en avance sur cette transvaluation, sur le fait d'ouvrir la signification de ce qu'était la féminité pour elles. Les hommes sont un peu en retard, c'est le cas. Mais néanmoins, il y a des processus. Je prends un exemple de quelque chose qui est spécifiquement masculin pour des raisons statistiquement hormonales, si je puis dire, c'est la barbe. Bien, la barbe, aujourd'hui, sa signification, qui est une signification virile à l'évidence, hein, eh bien,
elle va rester une signification virile, mais avec l'ouverture de ce que signifie porter la barbe et ce que signifie être viril en portant la barbe. C'est-à-dire avec un certain raffinement, un rapport à la barbe qui pourrait être comparable au rapport que les femmes entretiennent avec le maquillage et même une certaine forme de coquetterie. À New York, à Brooklyn, on voit se développer ce genre de choses. Ici aussi, c'est-à-dire c'est la barbe de l'hipster qui va être quelque chose de, qui va avoir une sorte de raffinement comparable à ce qu'on supposerait être le raffinement chez les femmes dans leur manière de s'habiller, etc. Et donc on voit que les significations, à partir de mêmes formes, sont en train d'éclater. Je pense qu'il faut encourager ça. Et il faut l'encourager comment? On l'a dit, par l'éducation. Et comment par l'éducation? La véritable éducation, enfin l'éducation qui marche, c'est une éducation qui fonctionne par le jeu, justement, et par l'empathie, et qui, par exemple, permet, enfin, qui essaye de faire l'expérience de l'autre au niveau même de l'éducation. Ça a été fait, du moins, il y a eu une tentative avec le fameux abécédaire qui a été l'objet d'une révolte par des populations qui ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Le seul bruit que l'on, soi-disant, mais même si c'était vrai d'ailleurs, mettez des pantalons à des filles et des robes à des petits garçons et des qu'on habillait en rose un petit garçon et en bleu une petite fille, etc. et inversement, comme dans une sorte de jeu pédagogique, ça a fait, est-ce que vous vous rendez compte que ça a fait une sorte de scandale national? Alors que c'est très exactement comme ça qu'il faut procéder. Ça ne remet pas en cause le désir, le fait d'être un homme, le fait d'être un petit garçon, d'être une petite fille. Ça permet de comprendre comment le regard de l'autre va être transformé lorsque je suis un garçon et que je m'habille en petite fille, je suis une petite fille, je m'habille en garçon, etc. C'est comme ça. Ce n'est que comme ça, en faisant l'expérience de la sensation même que l'autre peut avoir, qu'on éduque. Ce n'est pas une éducation théorique. C'est comme ça qu'on brise l'incorporation. Il faut qu'elle soit incorporée aussi. Merci. Eh bien, je vais remercier la salle de son écoute et vous remercier Olivia Gazalet, Raphaël Auger et Fia Ménard. Donc, les livres d'Olivia Gazalet et Raphaël Auger, je pense, se trouvent à la bibliothèque et en librairie aussi, dans la librairie probablement du centre. Et Fia Ménard, on revoit, donc, elle part en tournée là, mais on revoit ses spectacles bientôt en région parisienne. Le prochain, vous m'avez dit, c'était pour... C'est aux Amandiers. Le prochain, c'est aux Amandiers. Merci à tous.